Bonsoir à tous, je vous retrouve sur ABC dans Live à nouveau, cette fois-ci pour un deuxième webinaire un peu plus sérieux. J'espère que vous vous portez bien et que la reprise de l'activité du cabinet se passe sous les meilleurs augures et ou, sur les meilleurs auspices, pardon. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui trois praticiens, les docteurs Jean-Michel Foucard, Nicolas Gossens, qui sont accompagnés de Florian Laurent, pour un webinaire sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur votre reprise d'activité, sur le Covid. Dernière ligne droite donc avec Jean-Michel Foucard à qui je vais laisser la parole, et pardon, à Nicolas Gossens à qui je vais laisser la parole pour présenter un petit peu le déroulé de la conférence. Merci. Nicolas, c'est à Bonjour toi. à tous. Alors, un grand merci à ABC Dents de nous permettre de nous exprimer pour vous faire un petit peu une lecture accompagnée de toutes les recommandations qui sont sorties dans la profession. Florian Laurent, qui a été le référent national ordinal pour tout ce qui était Covid-19, qui a fait un travail de synthèse remarquable et qui a passé un temps insensé à faire tout ça pour nous tous. Jean-Michel Foucard, mon acolyte de la FFO, nouvelle connaissance, ça c'est les points positifs de cette crise. On a passé 2 mois ensemble, quasiment jour et nuit, donc voilà, pour rédiger ces choses. Et moi je me suis fait un nouvel ami, j'en suis très content. Donc moi-même, secrétaire général adjoint de la FFO, et puis Jérôme qui va servir pour le support technique et puis comme modérateur et qui pourra nous relayer toutes vos questions. Les recommandations de la profession pour nous permettre de retravailler, il y en a eu plusieurs. La référente pour toutes ces recommandations va être celle du Conseil national de l'ordre qui vient d'être édité, dont on va vous parler. Pour la pratique en orthodontie, il y a eu les recommandations de la FFO qui sont sorties avec une mise à jour de toutes les recommandations d'asepsie qui ont été faites. Et puis on retrouve également les recommandations qui ont été faites à partir de l'ADF, de la DGS et de toutes nos instances professionnelles. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur ABC Dents. C'est un plaisir de pouvoir venir expliquer un petit peu les recommandations qui peuvent parfois apparaître très, 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 très techniques, un petit peu obscures. Il faut essayer de comprendre un petit peu le process qu'il y a eu pour ces recommandations. Il faut savoir que depuis le début de cette crise, depuis le début mars, on a travaillé à l'élaboration de recommandations pour la pratique en période de Covid-19. Donc, il y a eu des premières recommandations générales qui ont été sorties. Ensuite, des recommandations pour les praticiens pour qu'ils puissent exercer dans leur cabinet pour prendre en charge à distance les patients. Il y a eu des recommandations qui ont ensuite été faites pour les régulations et puis pour les gardes. Ces recommandations d'experts qui sont sorties hier soir, elles sont sorties tardivement. Il faut savoir que ça a été une coordination assez compliquée dans le sens où on a voulu, pour avoir le plus de crédit scientifique qui était nécessaire d'ailleurs, associer pas uniquement des dentistes, pas uniquement des orthodontistes, pas uniquement des chirurgiens oraux, on a associé toutes les disciplines qui faisaient référence et qui avaient des compétences pour la gestion du Covid. Donc, si vous regardez un petit peu les experts avec qui on a travaillé, que ce soit dans le groupe de travail ou dans le groupe de lecture, il y a des médecins infectiologues, il y a des médecins hygiénistes, il y a des médecins virologues, il y a des microbiologistes, on a des médecins généralistes. On a essayé d'avoir un panel représentatif de toutes les personnes qui avaient des compétences pour gérer cette crise et pour donner des recommandations. Donc, comment ça s'est passé? On a un conseil scientifique qui a été créé, qui a travaillé, qui a produit des recommandations. Ces recommandations ont été relues par un groupe de lecture. Ces recommandations ont également été soumises au ministère de la Santé. Il y a eu des relecteurs du ministère de la Santé qui ont relu ces recommandations. Et pour finir, il y a un processus vis-à-vis de la HAS qui est en cours, pour lequel normalement on devrait avoir semaine prochaine, maximum semaine d'après, des recommandations synthétiques validées par la HAS. En parallèle de ces recommandations de l'ordre qui sont sorties hier, la FFO a publié des recommandations pour la pratique orthodontique que vous retrouverez sur le site de la FFO. Alors, ces bonnes pratiques et ce guide est quand même revêt une importance très très
prégnante sur nos pratiques à venir pour une raison très simple, en fait, c'est que nous sommes des professionnels de santé, nous devons donner à nos patients le meilleur de nous-mêmes et surtout respecter les données acquises de la science. En ce qui concerne le Covid-19, les données acquises de la science évoluent tous les jours, toutes les semaines. Les recommandations sont amenées à évoluer. Celles de la FFO qui ont été publiées pour la première fois il y a 3 semaines ont déjà changé 2 fois parce qu'en fait, on découvre sur ce virus tous les jours. Ce qu'il faut savoir, on entend parfois ou on lit sur Facebook de temps en temps des praticiens qui disent que ces recommandations ne sont pas si importantes que ça, qu'elles n'engagent personne, qu'elles ne sont pas obligatoires. Dans l'absolu, plus la pratique d'un professionnel de santé va se rapprocher des recommandations octroyées et faites par un panel d'experts, plus sa pratique sera présumée se rapprocher des données conformes acquises de la science. Donc en fait, c'est notre rôle de professionnel de santé de respecter ces bonnes pratiques pour mettre nos patients en sécurité et également pour se protéger juridiquement. On va développer le plan de cette présentation. On va faire pas si rapide que ça, parce qu'il est important, une remise au point des connaissances sur le SARS-CoV-2, qui est le fameux coronavirus. Ensuite, on va vous parler de la classification des risques, des précautions additionnelles à prendre pour pouvoir se protéger. Et puis, on va faire un point sur tout ce qui va nous concerner directement dans nos cabinets. Eh bien, merci pareil de nous accueillir. Et je vais donc vous faire le point sur le SARS-CoV-2 et donc vous raconter un petit peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas actuellement sur ce virus. Et comme le disaient Nicolas et Florian, c'est très évolutif. Donc, bien sûr, ce sont des données d'aujourd'hui. Ce virus a été déclaré le 31 décembre 2019 aux autorités chinoises, par les autorités chinoises, pardon, à l'OMS. Le 7 janvier, ça a été identifié comme un coronavirus. Et ensuite, les premiers cas qui ont été exportés en dehors de la Chine ont concerné tout d'abord la Thaïlande, ensuite la France en premier en Europe, et puis ensuite, bien sûr, tous les autres continents, que ce soit l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Europe, et ceci dès fin janvier. Le 30 janvier, l'OMS déclarait l'urgence de santé publique de portée internationale, et le 12 février, le SARS-CoV-2 était identifié et porte désormais le nom que vous lui connaissez tous. Hier, les dernières données étaient les suivantes. Il y avait 3 700 000 cas qui ont été confirmés, 260 000 morts dans le monde. Le pays le plus touché est désormais les États-Unis, qui a 73 000 morts. Et ensuite vient le Royaume-Uni, donc c'est le premier pays d'Europe, devant l'Italie, l'Espagne et ensuite la France. La Chine a des statistiques qui bougent très peu depuis plusieurs jours et vous savez toute la polémique qui entoure ces statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce virus? On sait que c'est un virus enveloppé, c'est-à-dire qu'il est entouré par une membrane de protéines. C'est ce qui lui donne cette forme de couronne, d'où son nom de coronavirus. Et c'est un virus à ARN. On sait qu'il a une grande similarité avec des virus que l'on retrouve sur des espèces qui sont en Chine, et notamment la chauve-souris et le pangolin. C'est pour ça que ces deux animaux ont été décrits comme les premiers réservoirs de propagation du virus. On sait qu'il va utiliser l'angiotensine convertase 2, pour rentrer dans les cellules, et on va retrouver cette angiotensine particulièrement au niveau des cellules pulmonaires, bien évidemment, mais aussi au niveau des cellules nasales, de l'épithélium nasal et aussi de l'épithélium buccal, voire même des glandes salivaires, ce qui va faire que nos pratiques vont être particulièrement exposées. Enfin, bien sûr, on sait que c'est une transmission interhumaine qui est directe et indirecte, directe via les gouttelettes qui sont excrétées et qu'on peut respirer, et indirecte de manière, par exemple, manuportée. On sait aussi que les coronavirus donc, peuvent survivre plusieurs heures, que ce soit en milieu sec, mais surtout en milieu humide, puisque en milieu humide, il a été décrit qu'il pouvait survivre jusqu'à 6 jours. On sait qu'au moment du déconfinement, il y a à peu près 6% des Français qui auront été contaminés, avec une proportion qui est beaucoup plus importante dans les zones comme l'Île-de-France et le Grand Est, puisque ça va dépasser les 10%. Comme on sait qu'on a un niveau d'immunité collective qui est très faible, on sait qu'il va falloir mettre en place les mesures barrières pour éviter un deuxième pic, puisqu'il faut en réalité 70% selon les experts pour avoir une immunité collective, et on en est encore loin. Et enfin, si on analyse les données concernant la létalité globale, on sait qu'elle est de 2,3% et bien évidemment qu'elle est plus marquée chez les personnes âgées, puisque, comme vous le voyez, les personnes de plus de 80 ans ont un taux de mortalité qui atteint les 14%. Bien évidemment, vous avez entendu parler des facteurs de comorbidité, et ces facteurs sont très importants, et ça va être un des éléments clés dans la prise en charge de ces patients, de détecter ces facteurs.
de comorbidité. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas très bien son mécanisme, comment il attaque le corps. On sait qu'il va y avoir une pneumopathie interstitielle qui est très significative au niveau du scanner. Le scanner est quasiment maintenant capable d'identifier les malades avant même qu'on ait les résultats biologiques. On ne sait pas très bien comment fonctionne ce qu'on appelle l'orage de cytokines, c'est-à-dire que le système immunitaire s'emballe un petit peu et finalement va créer des désordres qui sont liés à cet orage-là. Une des portes d'entrée privilégiées qui est actuellement évoquée, et ceci dans une publication qui a une dizaine de jours, c'est l'épithélium nasal, à cause justement de ces récepteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et on sait aussi que comme il y a des récepteurs, il va y avoir une certaine fixation sur la muqueuse buccale, mais on ne sait pas encore exactement combien et comment. La contagiosité, elle est très mal connue. On pense qu'elle commence à peu près 2 jours avant l'apparition des symptômes. Mais il y a des études qui montrent maintenant qu'il y aurait une excrétion au niveau des voies aériennes jusqu'à 6 semaines après le début des symptômes. La durée et l'ampleur de l'immunité, pareil, elle n'est pas connue. Les dernières études semblent montrer que ça serait une immunité qui serait un petit peu limitée. Certains parlent de quelques semaines et quelques mois. Et enfin, on ne sait pas très bien comment l'enfant est un vecteur et comment l'enfant va transporter et transmettre le virus. 3 formes cliniques principales qui ont été décrites. Un premier type où finalement il y a très peu de signes. Ça peut faire penser à une petite grippe, un petit rhume. C'est une évolution spontanément favorable. Ça représente plus de 80% des gens. Un deuxième type qui se présente en 2 phases. D'abord, une phase stable, rassurante, et ensuite une accélération, et ceci généralement vers le 10e jour après le début de la maladie. Et un troisième type qui va d'emblée présenter des formes graves et avec une défaillance multiviscérale. Et là, on se rapproche de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'orage de cytokines. Chez l'enfant, les formes sont très rares. Par contre, elles semblent qu'elles sont assez violentes, même s'il y a très peu de décès. Vous avez donc entendu aussi parler de l'alerte qu'a lancé Necker sur un syndrome qui se rapprocherait du syndrome de Kawasaki. C'est quelque chose qui est très discuté ces derniers temps, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Pourquoi le gouvernement a confiné ? Bien tout simplement parce que les projections épidémiologiques montraient que c'était le meilleur moyen d'atténuer le pic et donc le meilleur moyen pour que nos systèmes hospitaliers résistent. Et vous avez ici différentes illustrations avec différentes simulations. Et on voit que c'est la courbe bleue la plus basse qui met en œuvre tous les moyens de confinement qui est la plus efficace. C'est une publication anglaise. Et bien sûr, maintenant, il faut déconfiner. Et c'est aussi basé sur des études épidémiologiques. Vous savez quelle est donc la polémique des masques. Bien évidemment, maintenant, il faut porter le masque. C'est quelque chose qui est parfaitement établi. Les études ont montré qu'il y avait une diminution importante de la transmission de l'ARN virale si tout le monde portait des masques. Le tracking, vous en avez entendu parler avec les implications éthiques que cela impose, mais c'est quelque chose d'efficace dans la mesure où il faut au moins que la moitié de la population s'y soumette, ce qui n'est pas forcément gagné si c'est quelque chose qui n'est pas rendu obligatoire. Les tests, on va en parler tout à l'heure, on va aussi voir quelle est leur fiabilité, mais l'idéal, ça serait de pouvoir isoler les tests positifs, donc de leur faire une quarantaine, plus exactement une 14aine. Et bien sûr, de continuer à respecter certaines mesures de distanciation physique, notamment pour les personnes les plus âgées. Voilà. Donc, nous allons continuer sur les classifications des risques. Alors, classification des risques pour nous et les salariés, mais également pour les patients. Oui, merci. Donc, les niveaux de risque pour le personnel et pour les praticiens, en fait, a été catégorisé en 4 niveaux. Le risque faible, c'est quand en fait on n'a pas de contact direct avec un patient ou une personne qui est potentiellement atteinte du Covid. Donc typiquement, en fait, c'est le personnel de ménage qui viendrait le soir, c'est les assistantes qui sont là en travail off sans patient. Le risque modéré, donc ce sont tous les personnels qui sont avec des contacts fréquents avec des patients ou des personnes qui sont potentiellement atteintes du Covid ou atteintes du Covid, mais qui n'ont pas de contact physique proche et qui arrivent à mesurer, à pratiquer les gestes barrières et notamment la mesure de distanciation. Le risque élevé, en fait, c'est les soins sur patients qui sont atteints de Covid ou suspecté de l'être, sans aérosolisation, c'est-à-dire tous les soins, c'est notamment en orthodontie qu'on les retrouve, que l'on peut avoir sur les activations d'appareils, sur les différents réglages, mais qui n'entraînent pas une aérosolisation. Et le risque très élevé, c'est la même chose avec les aérosols qui vont être développés tout au long de cet exposé. Alors, on va reprendre ensemble
L'idée de les idées générales déjà de la reprise des soins, il faut se dire que la situation va durer et que d'une manière générale, on va avoir à respecter des grandes lignes. Et ces grandes lignes, on va tous les découvrir et les mettre en pratique à partir de la semaine prochaine. Clairement, aujourd'hui, on va tous être dans le même bateau, on va tous faire avec. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer d'avoir des grands schémas d'organisation. Ces schémas d'organisation, d'abord, ça va être le respect des mesures habituelles de prévention du risque infectieux. Pour rappel, on a tous comme document opposable la DGS 2006 qui rappelle la prévention du risque infectieux dans la pratique de la chirurgie dentaire. Et donc, il y a énormément de choses qui sont décrites dans les différentes recommandations qui sont sorties, notamment les recommandations sorties hier soir, qui sont des éléments qui font déjà partie de ce qu'on applique dans nos cabinets. La gestion des lasseries, la gestion de la stérilisation, la désinfection entre chaque patient, c'est des choses qu'on fait déjà. Donc, la base, c'est déjà de respecter les mesures habituelles. Ensuite, effectivement, on va devoir s'organiser de manière nouvelle pour le fonctionnement des locaux. On va en reparler tout à l'heure, mais effectivement, notre salle d'attente ne sera plus une salle d'attente. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de patients qui stagnent et qui restent dans la salle d'attente. On va essayer de faire en sorte qu'ils passent directement sur le fauteuil. On aura donc cette organisation fonctionnelle. On va avoir, de manière nécessaire, comme le disait Nicolas et Jean-Michel avant, on a certains patients qui sont plus à risque de développer des formes graves de la maladie, notamment des patients âgés, notamment des patients qui ont certaines comorbidités. Ces patients-là et les patients Covid+, il va falloir les détecter en amont du soin, en amont du rendez-vous. Et donc, ça va nécessiter une évaluation préalable. Dans certains cas, pour certains patients, dans certaines situations, il y a des actes qu'on ne fera pas et qu'on reportera. On va voir ça un petit peu plus tard. Dans la planification des rendez-vous, on va avoir une nécessité de s'organiser pour faire en sorte que les patients se croisent le moins possible. On va avoir besoin d'un petit peu plus de temps entre chaque rendez-vous pour pouvoir faire de l'aération et de la désinfection. Donc, ça veut dire que dans la planification des rendez-vous, il va falloir s'adapter. De la même façon, notre tenue de protection, notre tenue professionnelle qu'on utilise habituellement, il va falloir la compléter avec d'autres matériels. Et donc, il y a des tenues spécifiques adaptées en fonction des situations. On va en reparler plus tard. Ensuite, et pour finir, il y aura la mise en œuvre de protocoles particuliers pour les soins et des protocoles particuliers pour le bio-nettoyage. Voilà. On arrive sur un tableau qui peut paraître un petit peu compliqué, mais finalement, où tout est dit, j'ai envie de dire. Là, vous retrouvez quatre groupes de patients. Ces quatre groupes de patients, on va les détailler juste après, et vous retrouvez deux catégories de soins. On a les soins urgents, les soins non urgents. Dans les groupes de patients, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, le groupe A, c'est le groupe des patients sans symptômes évocateurs de Covid. Le groupe B, ce sont les patients qui sont à risque de développer une forme grave de la maladie, et on va le détailler un petit peu plus après. Le groupe C, ce sont les patients qui sont en contact étroit avec un patient qui est Covid-19 avéré. Et enfin, le groupe D, ce sont des patients qui sont Covid avéré. Là, si on regarde juste l'organisation de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, on voit tout de suite que pour le groupe C et pour le groupe D, on va faire que les soins d'urgence. Il faut quand même se rendre compte que le groupe D, donc les patients Covid+, déjà normalement, c'est des patients qui sont à l'isolement. Donc, ils sont normalement chez eux et c'est des patients qui potentiellement ne sont pas en très grande forme. Ils peuvent très bien avoir des formes modérées de la maladie, mais potentiellement, leur priorité immédiate, ce n'est pas forcément d'aller faire un détartrage chez le dentiste. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas forcément avoir énormément de patients groupe D qui vont appeler. Par contre, ce qui sera important, c'est quand ils vont appeler, d'évaluer le niveau d'urgence des rendez-vous, éventuellement de décaler si vous êtes contaminé. Très clairement, si je suis dans un département vert ou si je suis dans un département rouge, le risque que ce patient, à risque de développer une forme grave de la maladie, rencontre, entre guillemets, le Covid-19, eh bien, il est moins élevé dans les départements verts que dans les départements rouges. Et ça, c'est un élément que va devoir prendre en compte le praticien. Quand il va avoir un coup de téléphone de son patient
qui est un patient de 75 ans, qui est diabétique non équilibré, qui peut-être prend des traitements immunosuppresseurs. Ce patient-là, est-ce que le soin pour lequel il m'appelle justifie qu'il soit vu maintenant tout de suite, le 12 mai par exemple? Voilà. Ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc là, je viens d'en parler un petit peu, c'est la planification des rendez-vous. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on va sortir d'une période de confinement de 2 mois. On est tous dans nos cabinets, là, à essayer de s'organiser, faire en sorte que, avec nos assistantes, avec le matériel dont on dit, même situation. Maintenant, la priorité, ça va être de faire en sorte que tous les patients qui, depuis 2 mois, n'ont pas pu être pris pour des situations d'urgence, puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin. Donc, la priorité pour la semaine prochaine, si on est équipé en EPI suffisant, si on a le matériel, si on a l'organisation qui est rodée, à ce moment-là, ça va être de prendre ces patients qui sont en attente d'être vus. On parle d'urgence, évidemment, les urgences classiques, la pulpite aiguë irréversible, le trauma, l'infection, l'hémorragie. Mais on n'est plus en période de confinement, on va commencer à prendre les autres patients. Bien sûr que des éléments comme une PAC qui est fracturée depuis 2 mois, avec un patient âgé qui ne peut plus se nourrir, il y a des éléments d'urgence de cet ordre-là qui peuvent être pris en compte aussi. Après, c'est évidemment à l'appréciation du praticien, mais il ne faut pas être non plus rigoriste sur... c'est que la pulpite aiguë est réversible, à mon sens. Et donc là, on arrive sur une notion qui est très importante, parce que dans les soins qu'on va faire et dans les protocoles qu'on va mettre en place, que ce soit sur de l'aération ou sur les matériels de protection pour lesquels on va s'équiper, il y a la notion d'aérosol et de soins souillants ou non souillants. Donc, ce qu'on entend par soin souillant, c'est un soin avec risque de projection de sang ou un risque de projection ou d'aérosolisation de salive. Concrètement, c'est quoi? C'est je ne peux pas poser ma digue ou je fais un détartrage ultrasonore. Voilà, c'est les deux moments principaux pour le fait qu'on prenne plein de salive au niveau de la figure, au niveau de la tenue de travail. Quand je fais une chirurgie, je risque d'être exposé à une projection de sang. Quand je fais un détartrage, je vais être exposé à une aérosolisation de salive qui est potentiellement contaminée. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et que je vais dire tout de suite, c'est que même s'il y a des catégories de patients, patient A, patient B, patient C, patient D, tous les patients sont considérés comme des patients porteurs du virus. On va faire un parallèle. Quand on regarde la DGS 2006, on a des procédures de protection, de désinfection qui visent à partir du principe que tout patient, jusqu'à preuve du contraire, est porteur d'un virus transmissible par le sang. Le HIV, le VHB, le VHC, et on prend toutes les mesures nécessaires pour se protéger pour tous les patients. Parce qu'on ne sait pas s'ils nous le disent, s'ils ne nous le disent pas. Et bien là, c'est pareil. En période Covid-19, tous les patients sont considérés comme porteurs de tous les jours. Donc, Nicolas, vous l'aurez compris, en fait, il va falloir adapter la reprise, tant du côté soignant que du côté patient, dans la prise en charge des patients pour nous, et la façon dont les patients devront se comporter aussi dans le cabinet. Donc, c'est toute la suite qui va être développée. Comme le dit Florian, dans nos pratiques, on a pris des habitudes, on a pris quelques voies de simplification, parce qu'en fait, on est habitué au risque, on l'a toujours vécu, on sait le gérer. Et puis finalement, au bout d'un moment, la vigilance tombe, les recommandations ne sont pas forcément toujours bien appliquées. Là, il faudra faire attention parce que la situation est nettement différente. Et puis, nous devenons des personnes, du personnel de santé qui doit veiller et qui doit aussi faire de la pédagogie pour l'ensemble de la population. Du côté des soignants, la première des règles, évidemment, ça devait être de ne pas travailler lorsqu'on développe des symptômes, donc au même titre que le questionnaire médical que l'on est censé remplir pour nos patients avant de les recevoir pour savoir s'ils sont à risque avéré ou non,
ou en tout cas en phase de développer un Covid plus important qu'un autre, il va falloir se tester aussi et puis vérifier que nous soyons en mesure de ne pas contaminer nos personnels, nos patients, nos voisins, etc. Donc, les tests du dépistage du coronavirus, s'ils étaient fiables, s'ils étaient possibles pour le personnel soignant, s'inscrivent dans cette logique-là. Pour l'instant, au niveau des tests, les choses ne sont pas aussi claires et aussi tranchées. Jean-Michel va vous en parler. Alors, comme vous le savez, il existe deux types de tests. D'abord, les tests de diagnostic direct qui vont chercher donc le génome viral. Ce sont ceux qui sont actuellement reconnus par l'OMS et la Haute Autorité de Santé pour faire le diagnostic. À côté de ça, il existe les tests qui sont indirects, donc ce qu'on appelle plus souvent sérologiques, qui vont chercher la présence d'anticorps, sans qu'on sache bien sûr si cette présence d'anticorps va donner une immunité, c'est toujours une interrogation. Par contre, ça pourra permettre de savoir si vous avez contracté le virus ou pas. Et là, il y a deux types de tests, donc des tests de rapide d'orientation diagnostique ou des tests qui sont réalisés sur du sérum et du plasma. L'idéal, ça serait de pouvoir les réaliser, bien sûr, chez les professionnels de santé. L'HAS a indiqué qu'il y aurait pratiquement 1 million de professionnels de santé qui devraient être testés dans ce cadre-là, que dans les personnels paramédicaux d'accompagnement, par exemple, les secrétaires, il y aurait à peu près 480 000 personnes à tester. C'est-à-dire que quand on va disposer de tests qui pourront être utilisés en routine, il va y avoir d'abord à peu près 1,5 million de personnels de santé qui sera testable. Sachant que la HAS, dans une publication d'il y a une dizaine de jours, recommande que ces tests présentent une sensibilité supérieure à 90% et une spécificité supérieure à 98%, c'est-à-dire le risque de détecter, enfin, le premier, c'est le risque de ne pas détecter quelqu'un qui serait porteur des anticorps, et l'autre, ça serait le risque de faire une erreur. La conclusion, c'est qu'il faut attendre d'avoir ces tests qui vont bien évidemment arriver, et dès qu'ils seront arrivés, il faudra que les praticiens aillent les pratiquer pour savoir quel est leur statut sérologique, ce qui aura aussi un rôle d'épidémiologie et de savoir aussi comment a évolué la population des soignants par rapport à cette épidémie. Les patients, pour adapter cette reprise. Alors en fait, la première des choses va être de se renseigner sur l'état de santé du patient avec un questionnaire médical qui devra être fait préalablement au rendez-vous de manière à savoir si le patient présente des signes de Covid. Si c'est le cas et que le soin n'est pas urgent, il faudra repousser ce dit soin de 14 jours pour éviter tout risque, en tout cas pour le minimiser bien entendu. Éviter la circulation et le croisement des individus, donc ça c'est exactement le but du confinement. Là on est en phase de déconfinement, dans certaines zones le virus circule de façon libre, le Premier ministre l'a rappelé, en Île-de-France notamment, il faudra y contact entre individus de manière très importante au cabinet, donc c'est-à-dire que les patients doivent venir seuls si c'est possible. S'ils sont trop jeunes, s'ils sont en situation de handicap, ils devront se faire accompagner. L'accompagnant devra rester le plus possible en dehors du cabinet. Sa présence n'est pas requise a priori. Et les salles d'attente, effectivement, seront réservées à des cas exceptionnels où le patient doit avoir un accompagnant de manière impérieuse, que ce soit lié à son âge, lié à un handicap ou lié à quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est le praticien qui devra porter cette responsabilité au patient et à son accompagnant quand il peut venir, quand il peut rester, mais si possible, le patient devra toujours être seul. Au niveau des tests, actuellement, il serait bon de pouvoir connaître la sérologie et en tout cas le stade du patient de manière fiable, mais les CNR, certains laboratoires hospitaliers de virologie, alors, on va reprendre ensemble les différents groupes de patients. Le groupe B, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les patients qui sont à risque de développer une forme grave de la maladie. Alors, jusqu'il y a quelques jours, quelques semaines, on avait un critère d'âge qui était un cut point à 70 ans et il a été abaissé à 65 ans. Donc, c'est vrai que on commence à englober un certain nombre de patients dès qu'on a cette barre qui descend à 65 ans. En dehors de ce critère d'âge, il y a un critère de comorbidité. Et là, on va insister sur un point, c'est que par souci de simplification, parfois, on essaye, pour faire des questionnaires rapides vis-à-vis des patients, pour faire des choses simples pour nos assistantes ou pour les secrétaires, on essaye de simplifier les items.
L'exemple, le premier exemple, c'est l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, si vous dites que tous les patients qui ont de l'hypertension artérielle font partie du groupe B, vous allez mettre un paquet de patients dans ce groupe B. Sauf que la définition, ce n'est pas l'hypertension artérielle. C'est l'hypertension artérielle avec complications, donc des complications cardiaques, des complications rénales, des complications vasculo-cérébrales. Donc, complications cardiaques, par exemple, un patient qui est hypertendu et qui va développer une insuffisance cardiaque secondaire, par exemple. Et donc, un patient qui est hypertendu, qui a un traitement, qui est stable et qui n'a pas de complications autres, il ne fait pas partie de ce groupe B. Voilà, on va retrouver la même chose sur d'autres pathologies. Donc, on a dit hypertension artérielle compliquée, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, les patients qui sont en insuffisance cardiaque, les diabétiques non équilibrés ou qui présentent des complications secondaires au diabète, tout ce qui va être pathologie chronique respiratoire qui peuvent décompenser lors d'une infection virale, notamment l'asthme sévère, syndrome d'apnée et d'obstruction du sommeil, les patients qui souffrent de mucoviscidose. On va avoir les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée, donc c'est des patients en insuffisance rénale terminale. Donc là, c'est la même idée, hein, c'est-à-dire qu'un patient qui est en insuffisance rénale légère, chronique mais légère, il n'est pas concerné par ce groupe B. Vous avez tous les facteurs d'immunodépression, donc soit acquis, soit congénitaux. Donc, soit vous avez des patients qui ont des immunosuppresseurs, vous avez certains patients qui ont des maladies intestinales chroniques qui justifient d'avoir des immunosuppresseurs. Vous avez des patients qui sont traités avec des chimiothérapies. À noter que dans les chimiothérapies, les hormonothérapies ne sont pas concernées au niveau du groupe B. Vous allez avoir toutes les insuffisances hépatiques, donc les cirrhoses stade B et C. Un critère important, c'est le critère de l'obésité, la drépanocytose, les antécédents de spleen et la grossesse au troisième trimestre. Tous ces critères-là définissent le groupe B. À noter que si vous, en tant que praticien ou si vous, en tant qu'assistante, vous faites partie de ce groupe B, vous devez évaluer votre risque de reprendre le travail. Donc clairement, un salarié, votre assistante qui fait partie de ce groupe-là, qui est dans une de ces caractéristiques-là, il faut lui prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Alors, avec toutes les contraintes opérationnelles d'aujourd'hui, on est jeudi 7 mai, demain c'est férié, après c'est le week-end, la médecine du travail ne va pas forcément répondre tout de suite, mais c'est une réalité. Votre salarié, vous ne pouvez pas vous permettre de l'exposer si elle fait partie de ce groupe B sans avoir eu la validation de du médecin du travail. De la même façon, si vous le faites, et même pénal dans certains cas, si ça pouvait mal finir. Donc pour votre salarié, il faut le faire. Pour vous, soit vous avez un médecin du travail qui vous suit, tant mieux, soit c'est votre médecin traitant et on vous encourage fortement à aller prendre rendez-vous avec lui et évaluer votre niveau de risque par rapport à votre niveau de pathologie. Parce que tout ça, ce sont des choses qui sont très théoriques. Maintenant, c'est sûr qu'un patient qui va cumuler plusieurs facteurs de risque ne sera pas forcément aussi à risque qu'un patient qui sera juste à la limite de 65 ans, par exemple. Maintenant, ça, c'est votre médecin qui l'évalue avec vous, avec vos conditions d'exercice, avec le niveau épidémiologique du département. Il y a plein de critères qui vont entrer en ligne de compte. Donc ça, c'est le groupe B. Le groupe C, ce sont les patients qui sont en contact étroit avec un patient qui est diagnostiqué COVID-19. Donc ça, normalement, dans la politique gouvernementale doit s'appliquer à partir de lundi. Il y a des brigades qui sont organisées pour que chaque patient COVID-19 avéré, donc déjà que chaque patient qui est symptomatique évocateur de COVID-19 soit testé, et que ce patient qui est diagnostiqué COVID-19, il y ait une enquête épidémiologique pour voir avec qui il est en contact étroit et donc avec qui il a potentiellement, à qui il a potentiellement transmis le virus, et donc qui est-ce qu'on va devoir tester. Donc, normalement, si tout se passe comme c'est prévu, ces patients-là, ils sont en quatorzaine
Donc, ils sont chez eux. Ils ne sont pas censés aller voir des gens. Et du coup, normalement, ils ne sont pas censés venir vous voir pour des soins non urgents. Donc, on retombe sur le diaporama qu'on a vu tout à l'heure, le tableau. Les patients du groupe C, ces patients-là, on ne les verra que en situation d'urgence. Et on verra que ces patients, on va les positionner à des moments où ils ne vont pas croiser les autres, généralement en fin de journée. Donc ça, c'est le groupe C. Le groupe D, c'est des patients soit qui sont COVID-19 avérés, voilà, ils ont été testés, ils étaient symptomatiques, ils ont vu leur médecin traitant, leur a prescrit leur test sérologique, voilà, c'est avéré, ils sont COVID-19, il y a un test qui l'atteste. Soit c'est des patients qui sont évocateurs de COVID-19, et c'est là qu'il va falloir, et ça va être compliqué un petit peu, parce que ça va rallonger un petit peu la prise des rendez-vous ou le checking avant, c'est d'arriver à identifier chez ces patients des éléments évocateurs de COVID-19. Donc les principaux éléments COVID-19, ça va être des éléments fébriles, donc soit le patient il a de la fièvre à plus de 38, il vous le dit, il a pris sa température chez lui, soit il a une sensation de fièvre. Ça, c'est le premier groupe de critères évidents. Deuxième groupe de critères évidents sont des signes respiratoires. Le patient qui a des difficultés à respirer, le patient qui est essoufflé, qui tousse, qui évoque une virose respiratoire, ça, c'est des signes évocateurs de COVID-19. Après, il y a plein de signes autour, et notamment des signes qui ont été retrouvés de manière assez fréquente. Perte ou la baisse de goût ou d'odorat, une perte ou une baisse soudaine de goût ou d'odorat. Ça, c'est quelque chose qui doit être recherché de manière systématique parce que c'est vraiment quelque chose qui est très évocateur d'un possible COVID-19. Après, on va avoir plein d'autres signes de type des courbatures inexpliquées, des sévalées soudaines en dehors d'un contexte évidemment de migraine connue, une toux sèche, ça va avec le contexte respiratoire, ou alors une fatigue soudaine inexpliquée, et notamment chez les patients de plus de 80 ans, une diarrhée. Ces éléments-là doivent évoquer un COVID-19 et doivent conduire le praticien à orienter son patient vers le médecin traitant pour qu'il puisse y avoir une évaluation du médecin et que le médecin décide si ça justifie un test COVID-19 dans la logique de ce qui a été présenté. Ces patients-là devraient normalement tous être testés. Donc après, la question, c'est est-ce qu'ils sont confirmés ou pas COVID-19 ? La question qui se pose après, c'est des patients qui sont COVID-19 avérés, qui sont à leur domicile, qui ont une forme qui est, on va dire, légère, fruste. Le patient qui a grosso modo un syndrome grippal, mais qui n'est pas en réanimation, il est chez lui. Et lui, il va vous appeler parce qu'il veut avoir un soin dentaire. Ce patient-là, comment je fais ? Eh ben, je me réfère à mon tableau d'organisation générale. Soit c'est un soin qui est urgent, et ce patient-là, je vais le prendre, mais je vais le prendre en fin de journée pour l'isoler, pour faire en sorte d'avoir une filière spécifique pour ce patient Covid, parce que je ne veux pas qu'il soit en salle d'attente avec les autres patients. L'autre élément, c'est de voir à quel moment il est considéré comme guéri. Et donc, pour considérer qu'il est guéri ou pas, il y a ce qu'on appelle des critères de levée du confinement. Et donc, ces critères de levée de confinement, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez deux familles de patients. Vous avez la population générale et puis vous avez la population des patients immunodéprimés. Donc, on se redit, hein, les patients immunodéprimés, soit c'est parce qu'ils ont un traitement immunosuppresseur, soit parce qu'ils ont une pathologie qui fait qu'ils sont immunodéprimés. Pour la population générale, on doit attendre au moins le 8e jour à partir du début des symptômes. Et c'est pour ça que dans la plupart des questionnaires patients, que vous allez retrouver soit au niveau de la FFO, soit au niveau de l'ADF ou d'autres questionnaires patients, vous allez avoir de demander la date de début des symptômes. Ensuite, il va y avoir un critère concernant les deux signes principaux, à savoir la fièvre et la dyspnée, donc la difficulté respiratoire. Et donc, par exemple, pour la population générale, il faudra attendre au moins le 8e jour à partir du début des symptômes, tout en s'assurant que depuis au moins 2 jours, le patient ne présente plus de fièvre et ne présente plus
de difficultés respiratoires. Je donne un exemple très concret. On a un patient qui vous appelle, on est le 8e jour après avoir développé le début des symptômes. Ce patient continue à avoir de la fièvre malgré tout. Ce patient, il va falloir attendre au moins 48 heures après la disparition de la fièvre pour pouvoir le voir. Ça, c'est les critères généraux de levée du confinement. Il faut savoir que dans ces critères-là, qui ne sont pas des critères qui sont spécifiques aux problématiques dentaires, le Haut Conseil de la Santé publique estime qu'un patient de la population générale qui, au bout du 8e jour, ne présente plus de symptômes, plus de fièvre, plus de dyspnée depuis au moins 48 heures, eh ben on va quand même considérer que pendant 7 jours, ce serait bien de faire attention. Donc normalement, il doit porter un masque et il doit faire attention notamment au niveau de son lieu de travail. Donc c'est pour ça que dans les recommandations, vous allez retrouver le fait que si possible, on va essayer d'attendre 7 jours de plus. Donc ça veut dire 8e jour plus 7 jours dans l'idéal. De la même façon pour le patient immunodéprimé, là on sera au minimum au 10e jour et si possible, 14 jours supplémentaires. Donc tout ça, ça va être à mettre en balance avec le niveau d'urgence du soin et le patient. Alors, à noter quand même, un petit élément supplémentaire, je reviens sur la diapo d'avant, dans les éléments qui sont retrouvés évocateurs de Covid, la toux sèche, c'est quelque chose qui peut rester assez longtemps après la guérison. Donc, un patient qui va garder une toux irritative après le 8e jour, mais qui n'a plus de fièvre, qui n'a plus de dyspnée et qui n'a plus d'autres signes, on va considérer que la toux sèche, la toux irritative n'est pas un facteur qui prolonge le confinement. Donc ça, c'était le groupe D. Et ben, le groupe A, ça va être simple. Hein. Le groupe A, c'est tous les autres. Donc le groupe A, c'est un patient qui n'est pas à risque de développer une forme grave de la maladie, qui n'est pas en contact avec un patient qui est COVID-19 avéré et qui n'est pas symptomatique évocateur d'un COVID-19. Et qui n'est pas non plus COVID-19 avéré. Voilà. Donc, c'est-à-dire beaucoup de patients. Au final, les groupes C et D, il faut se dire quand même que la proportion de patients des groupes C et D va être assez minime, logiquement. Heureusement. Il y a deux questions qui sont tombées qui concernent directement ce qui vient d'être dit. C'est Clémence qui nous demande si les dentistes diabétiques ont des précautions particulières à prendre. Donc ça, on l'a dit, hein, le patient qui est le praticien qui est diabétique non équilibré et qui a des complications suite à son diabète, des complications infectieuses par exemple, ce patient-là doit prendre contact avec son médecin traitant parce qu'il fait partie des professionnels, il fait partie de la population à risque de développer une forme grave de la maladie. Et donc l'exposition professionnelle doit être évaluée et s'il y a un risque, le médecin traitant fera un arrêt maladie. Voilà, pour la démarche générale. Dans ce sens-là, c'est le cas pour toutes les pathologies. En fait, à partir du moment où c'est équilibré, le risque quand même chute de manière importante. Un diabète équilibré, il y a peu de chances que ça se passe mal. Pareil pour l'hypertension artérielle. Une autre question sur les tests. Pour l'instant, pas de test obligatoire avant de reprendre. Non, en fait, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas besoin de faire de test pour l'instant avant de reprendre pour nous et le personnel. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le questionnaire médical qui permet d'évaluer ces catégories de patients. Parce qu'effectivement, en fait, c'est bien joli de classifier les patients en catégories ABCD, mais encore faut-il le savoir avant de les voir arriver au cabinet pour pouvoir les prévenir, anticiper et s'organiser. Donc, il va falloir gérer ces patients. Et pour les gérer, le mieux, c'est d'être renseigné en amont de leur problème de santé. Donc, plusieurs modèles sont proposés, soit lors de la prise de rendez-vous par téléphone, gérer en fait ce questionnaire et le remplir avec le patient, toujours au téléphone pour pouvoir le trier, ou alors en anticipant
en envoyant un mail qui renvoie soit un formulaire PDF à remplir par le patient, soit à la main, soit directement sur écran. Soit il existe des générateurs de questionnaires médicaux en ligne. Là, c'est celui de la FFO. En fait, vous pouvez aller sur le site de la FFO et vous en servir également en omnipratique, qui permet aux patients de générer immédiatement un certificat qui peut être transmis tout de suite aux praticiens et qui sera renseigné et qui permettra de s'organiser, qui permettra aux praticiens de s'organiser pour fixer les rendez-vous et dans la démarche de protection des patients. L'organisation des locaux, depuis l'arrivée des patients jusqu'aux soins et jusqu'à leur départ, nous allons voir ça et détailler. Donc, il faut prévenir les patients en amont, lors de la prise de rendez-vous, qu'il va y avoir de nouvelles conditions d'utilisation du cabinet dentaire et que les règles du jeu ont changé. Les règles du jeu ont changé puisque, en fait, tous les gestes barrières doivent être maintenus, le port du masque peut être obligatoire, les patients ne devront pas venir à plusieurs. Donc tout ça, le patient doit le savoir avant de venir, parce qu'ils ne peuvent pas arriver et se voir refuser l'entrée du cabinet. Ils ne peuvent pas mettre en péril l'organisation du cabinet uniquement par méconnaissance et donc par manque d'information. Donc prévenir les patients. Donc pareil, téléphone ou mail avant le rendez-vous. L'affichage des gestes barrières est obligatoire dans les locaux pour rappeler les choses. C'est notre rôle pédagogique et également notre rôle de protection de nos salariés et de nos patients. Les patients devront porter un masque au cabinet, donc arriver avec un masque, donc garder leur masque. Une fois la première chose, une fois les portes du cabinet franchies, la première chose à faire, c'est de se laver les mains, soit à l'eau et au savon, qui fonctionne toujours, mais c'est peu pratique à mettre en œuvre immédiatement dans un cabinet, donc avec une solution de gel hydroalcoolique qui peut être installée à l'entrée du cabinet, qui fait que le patient arrive avec son masque. Il nettoie ses mains avec son gel hydroalcoolique, il ne touche plus à son portable et finalement, il est dans une situation où il sera probablement plus en sécurité que n'importe où ailleurs. Mise à disposition de mouchoirs jetables, pourquoi ? Ben pour que l'hygiène nasale soit parfaitement respectée dans les locaux et d'éviter tout éternuement intempestif qui pourrait ruiner tous les efforts que l'on met en place, y compris malgré le port de masque. Des poubelles fermées sans contact manuel pour jeter ces 10 mouchoirs et les éventuels papiers que le patient pourrait avoir contaminés. Donc, les poubelles fermées sans contact manuel, sans ouverture manuelle, c'est des poubelles à pied, en fait, avec une pédale qui s'ouvre ou les trucs électroniques, comme on veut. Enfin, c'est pas des systèmes très, très compliqués. Réorganiser les salles d'attente, puisqu'on l'a dit, le patient doit venir seul. S'il doit être accompagné, il faut qu'il vienne accompagné. On peut avoir un petit embouteillage par des patients qui viennent en avance alors qu'on leur a précisé qu'il fallait venir à l'heure ou d'autres qui viennent en retard, mais dans tous les cas, il faudra respecter les mesures et la distanciation physique entre les individus. Donc le nombre de chaises devra être revu en les écartant. Tout ce qui est journaux, jouets, crayons de couleur pour les orthos, enfin tout ce qu'on peut imaginer devra être supprimé également. Suppression et non suspension des fontaines à eau. Jean-Michel, je viens de voir la faute, ça va faire depuis tout à l'heure. Respect des mesures de distanciation, je l'ai dit, et limiter l'accès aux sanitaires. Parce qu'en fait, les sanitaires, en soi, ça peut être très utile à tout à chacun, mais c'est une zone où très vite, ça peut devenir très sale, en tout cas très contaminant. Épurer l'accueil, donc sur vos accueils, éviter les plantes vertes, éviter les bibelots, éviter les objets. Il faut que tout soit le plus facile possible à nettoyer. S'il en va de votre sécurité, de la sécurité des patients et de la sécurité de vos salariés, et puis également de votre tranquillité quand il va falloir mettre en route toutes les normes d'hygiène et les règles à adopter. Réfléchir à la mise en place d'écrans de protection entre le personnel d'accueil et les patients. Ces écrans de protection vont bien sûr permettre d'éviter des projections directes sur nos salariés, peut-être éviter également cet effet de « je me rapproche de vous et je viens manger le comptoir quand on est en train de discuter », mais ils vont s'accompagner aussi d'un autre phénomène qui risque d'être celui que le patient ne pense pas forcément mettre son masque pour se protéger ou a tendance à l'enlever. Et si c'est le cas, en fait, la paroi de plexiglas sera devenue hautement contaminante si le patient était porteur. Donc, ça sera une surface à nettoyer de manière très, très régulière. Privilégier les paiements sans contact. Donc, vous avez vu que toutes les banques augmentent les plafonds du paiement sans contact. Aérer régulièrement les locaux, minimum 3 fois pendant au moins 15 minutes dans la journée.
Et en fait, c'est adapter l'aération au volume de la salle d'attente de manière, ou de l'accueil, enfin de toutes ces pièces qui reçoivent du public, de manière à renouveler l'air et faire ainsi chuter la charge virale si tant est qu'il y en ait une. Pour les salles de soins, avec plusieurs fauteuils, donc ça c'est plus vrai dans les centres de soins ou dans les cabinets d'ortho parfois, donc ça c'est possible, bien entendu, mais il faut que les fauteuils permettent de respecter les distances barrières entre les patients, donc, que l'on connaît tous, donc c'est avec un mètre de chaque côté, donc ça fait au moins 2 mètres. On recommande 4 mètres carrés par patient, exactement les mêmes mesures que dans les écoles et dans les classes. Ne pas prendre plusieurs patients si un geste aérosolisant est prévu sur l'un d'eux dans les espaces à plusieurs fauteuils, parce qu'évidemment, l'aérosol généré ne va pas s'arrêter là où on décide qu'il s'arrête, et finalement, l'ensemble de la pièce est contaminée. Donc il ne faudra pas le faire de manière systématique, enfin, il ne faudra pas le faire du tout. Excusez-moi, j'ai lu quelque chose d'autre en même temps. Disposer d'un bac de pré-désinfection avec un couvercle et d'acerie immédiatement accessible pour pouvoir se débarrasser des éventuels objets souillés. Et dégager complètement les surfaces de travail susceptibles de recevoir des projections de manière à faciliter le nettoyage. Et si des objets ne peuvent pas être déplacés, et bien à ce moment-là, les protéger de manière à pouvoir évacuer le problème assez facilement. Alors, on arrive sur un sujet épineux. Sur un sujet épineux, la qualité de l'air dans les salles de soins. Alors, aujourd'hui, clairement, on a un déficit de recommandations sur ce sujet-là, que ce soit la qualité de l'air, la climatisation, les épurateurs d'air. Le Haut Conseil de la Santé publique a sorti un document très généraliste où il ne s'est pas vraiment prononcé sur la climatisation et les aérosols. Donc, aujourd'hui, on est plus sur de l'avis d'experts. Maintenant, il y a des choses aussi qui relèvent du bon sens. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, déjà, la base, c'est qu'une salle de soins, normalement, ça doit être ventilée. Une salle de soins qui n'a pas de ventilation, normalement, ça ne doit pas être une salle de soins. Donc, il doit au minimum y avoir une entrée d'air et une VMC. Faut vous donner un exemple. Hein. On n'imaginerait pas chacun d'entre nous se retrouver bloqué dans un bocal fermé avec un patient malade, contaminant, qu'il soit tuberculeux ou grippé ou ce que vous voulez, dans un espace clos. Le cabinet, c'est pareil. Une salle de soins qui serait totalement fermée et totalement hermétique, on ne peut pas imaginer, dans cette période de Covid-19, de faire des soins. Donc, ça veut dire que la base, ça va être qu'il y ait une ventilation, et cette ventilation, comme dans n'importe quelle pièce de vie, ben ça passe par une entrée d'air et normalement une sortie d'air dans un espace, soit pas forcément dans la salle de soins, mais ça peut être dans la stérilisation attenante. Et donc, il va falloir vérifier le bon fonctionnement de ces systèmes de ventilation. Nous, on encourage très fortement tous les praticiens à s'intéresser, et là, vous voyez, je suis dans mon cabinet, j'ai fait exactement la même chose pour mon cabinet, à s'intéresser, voir quels étaient les flux d'air dans le cabinet. Ben vous voyez, en écrivant ces recommandations, je me suis aperçu que dans ma salle de soins, je n'avais pas d'entrée d'air. J'ai une sortie d'air, je n'ai pas d'entrée d'air. J'ai fait mettre une entrée d'air. Voilà, une petite grille au niveau de la fenêtre. Ça a pris une demi-heure. Ça, c'est la base. Je suis dans ma salle de soins. Est-ce que j'ai de l'air qui rentre? Est-ce que j'ai de l'air qui sort? Où est-ce que ça rentre? Où est-ce que ça sort? Le principe, parce qu'il y a une question aussi là-dessus, au niveau de la climatisation, en général, les climatisations ne ventilent pas un local. Une climatisation, en général, les splits qui sont à l'intérieur des salles de soins, ce sont des éléments qui vont brasser l'air. Ils vont prendre l'air intérieur et ils vont le refroidir ou le réchauffer si c'est une clim réversible, et ils vont le rejeter dans la salle de soins. Donc, ça veut dire que j'ai de l'air vicié qui est renvoyé. Les filtres qu'il y a dans la climatisation ne sont pas des filtres HEPA, ce sont des filtres anti-poussière. Il va être compliqué d'équiper un dispositif de climatisation avec des filtres HEPA parce qu'en fait, il n'y a quasiment rien qui pourrait sortir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas partir du principe que la clim
va filtrer l'air de ma salle de soins. Donc ça, c'était une question qui était posée. Qu'en est-il des filtres de climatisation? Voilà, en général, on est sur des filtres anti-poussière. Mais ça, moi, je vous encourage aussi à vous rapprocher de votre installateur de clim. Ne pas obstruer les entrées d'air ni les bouches d'extraction. Évidemment, là, sur la reprise, on va aller regarder nos entrées d'air, nos sorties d'air pour voir si ce n'est pas sale, s'il n'y a pas des choses qui obstruent. Et on va aller nettoyer pour faire en sorte qu'il y ait un flux d'air constant. Lors de la réalisation d'un soin générateur d'aérosol et pendant la phase d'aération, il faut que la porte de soin soit fermée. L'idée, c'est que mon aérosol, je veux qu'il soit circonscrit. On n'est pas sur le nuage de Tchernobyl, donc il ne va pas s'arrêter à la porte du cabinet. Si la porte n'est pas fermée, eh ben, on va continuer à avoir l'aérosol qui va diffuser au niveau de la salle d'attente. Donc, porte de soins fermée. L'objectif, ça va être d'aérer les locaux par des ouvertures de fenêtres. Et cette ouverture de fenêtre, elle va être minimum de 15 minutes après un acte aérosolisant. L'objectif, et ça, c'est décrit dans les recommandations, dans une annexe, et une explication sur comment se ventile un local, notamment un cabinet, avec une ouverture de fenêtre. On va le voir un petit peu après. Si on a une absence de fenêtre, une des solutions qui existent, c'est ce qu'on appelle des centrales de traitement d'air. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment donc en tout R9. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans les blocs opératoires. Donc, dans les blocs opératoires, les centrales de traitement d'air en tout R9 ont un taux de recyclage qui est de 15 volumeurs. Le minimum pour une centrale de traitement d'air en tout R9, c'est 6 volumeurs au niveau d'une salle de soins qui n'est pas un bloc opératoire. Il est clair qu'aujourd'hui, se dire que le jeudi 7 mai, je vais organiser la mise en place et l'achat d'un CTA pour mon cabinet, c'est des frais. C'est des frais, ça demande des travaux, ça peut être compliqué. Voilà quatre schémas qui visent à expliquer un petit peu comment ça se passe quand on ouvre les fenêtres et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une ventilation des locaux. Donc là, sur les diagrammes, vous avez l'aérosol qui est exprimé en pourcentage. Donc tout à gauche, en haut à gauche, vous êtes à 100% d'aérosol. Et ensuite, on voit l'efficacité des mesures qui sont mises en place. Quand vous avez, donc là vous avez le temps, ça va de 0 minute à 60 minutes. Quand on est à T0, avec une salle sans VMC et les fenêtres qui sont fermées, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe quasiment, et ben au bout d'une heure, je suis encore à 90% d'aérosol. Donc pourquoi je disais tout à l'heure qu'une salle de soins qui a zéro ventilation, ce n'est pas possible, c'est expliqué par ce diagramme-là. Ce n'est pas possible de se dire qu'on va rester en permanence avec un taux d'aérosol potentiellement contaminé dans la salle. Ce n'est pas tant pour les soignants, parce qu'en fait, nous, on va être équipés, dès qu'on va faire de l'aérosol, on va être équipés avec des masques FFP2. Donc en termes de filtration, c'est prévu pour faire face à un aérosol qui serait potentiellement contaminé. Le problème, c'est entre le patient A et le patient B. Parce que mon patient A, qui est potentiellement contaminé, je fais un aérosol, il part, je ne ventile pas ma pièce, le patient B rentre, je me retrouve avec 90% d'aérosol du patient A dans la salle. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc après, si on regarde ce que ça donne, une fenêtre fermée avec une VMC. Il faut savoir qu'une VMC, en général, ça débite en moyenne 40 mètres cubes. Là, les simulations qui ont été faites sont des simulations qui ont été modélisées pour un cabinet standard. Donc, on est parti sur un cabinet de 16 mètres carrés avec 2,5 mètres d'hauteur sous plafond. Donc là, on voit que si j'ai juste une VMC, fenêtre fermée, au bout d'une heure, j'arrive à 30% d'aérosol encore. Si je suis après dans un système où j'ai une fenêtre que je vais ouvrir entre deux patients, là, je me mets dans le schéma de gauche, en bas à gauche, dans une situation
où je ne suis pas très favorable, c'est-à-dire que je n'ai pas de VMC, et puis la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la pièce n'est pas très favorable. Je m'explique. Ce qui va faire que vous allez avoir un renouvellement de l'air de votre cabinet, ça va être principalement grâce au tirage thermique, c'est-à-dire la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Là, dans le schéma en bas à gauche, on s'est mis dans des situations climatiques défavorables, c'est-à-dire qu'on a pris un différentiel de 2 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. On voit que même avec un différentiel défavorable, j'ouvre la fenêtre pendant un quart d'heure, j'ai quand même, au bout d'un quart d'heure, fait chuter de manière importante l'aérosol. Si je me place dans des conditions favorables, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, et qu'en plus j'ai une VMC, eh ben, si j'aère pendant un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, j'ai quasiment retiré tout mon aérosol. Alors, il y a une question, oui. Si la bouche de VMC est dans la ST attenante avec porte entre les deux, il faut donc ouvrir la porte entre les deux et laisser entrer dans la ST où se trouve la VMC, l'air contaminé. Alors en fait, non, là l'idéal dans ce cas-là, c'est si c'est vraiment attenant et que c'est du faux plafond, il faut dédoubler la VMC et faire qu'elle soit dans les deux pièces en fait, hein, la bonne réponse. Dans l'idée, si la stérilisation est attenante, donne sur la salle de soins et ne donne pas sur la salle d'attente, je ne vois pas immédiatement là pour lundi 11 mai, oui, on laisse la porte ouverte entre la ST et la salle de soins. C'était ça la question. Mais l'idéal est de dédoubler. D'avoir la bouche de VMC dans la salle de soins. Surtout que là, dans ce cas-là, ça ne va pas être très compliqué techniquement, si c'est attenant. Ok. Autre question par rapport à la copropriété. Est-ce que les copropriétaires peuvent nous interdire d'exercer? Alors, il n'y a pas dans les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique, on n'impose pas d'arrêter une VMC ou une CLIM. Il faut aller regarder de près ce qui est dit dedans, mais il n'y a pas de raison qu'on soit dans cette configuration-là. Et d'autant plus si la VMC est bien réglée, elle ne doit pas réinjecter de l'air dans les appartements. Au contraire, ça doit l'extraire et sortir très souvent au niveau du toit. Donc, d'où une autre question, peut-on contraindre la copropriété à évaluer la VMC? Non, on ne peut pas contraindre la copropriété à évaluer la VMC. En revanche, on peut donner toutes les indications sur le fait qu'il serait bon que la VMC soit réévaluée de manière à ce que personne n'ait rien bouché, n'ait pas ajouté de ventilateur qui viendrait perturber le flux de manière à ce que tout le monde soit en sécurité. Alors, avec un seul fauteuil et fenêtre ouverte par tout temps, quel est le temps idéal entre deux patients, 45 minutes? C'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand on est… Déjà, c'est après un acte aérosolisant. Le temps évalué minimum, c'est 15 minutes. D'accord ? Si on se remet sur le schéma au-dessus, sur le schéma du dessus, on s'aperçoit que 45 minutes, vous voyez, on est en situation favorable dans le schéma en bas à droite. Au bout d'une vingtaine de minutes, il ne se passe plus rien, il n'y a plus du tout d'aérosol. Donc, si vous voulez attendre 45 minutes, vous pouvez, mais il n'y a pas d'intérêt. De la même façon, quand vous êtes là en situation défavorable, fenêtre ouverte, déjà au bout de 30 minutes, vous n'avez quasiment plus d'aérosol. Alors, c'est sûr que si vous attendez 45 minutes, vous n'aurez plus rien de rien. Maintenant, 15 minutes, vous êtes sur le minimum demandé. Et c'est sûr qu'il faut aussi que le praticien il évalue, peut paraître un peu complexe de le dire comme ça, mais ce n'est pas pareil quand j'arrive à mon cabinet le matin qui fait 8 degrés dehors et qui fait 20 degrés dans mon cabinet. C'est sûr que si j'aère pendant 10 minutes, c'est réglé. La ventilation, elle est faite et le taux de renouvellement d'air et le renouvellement de l'ensemble de la pièce est fait. C'est sûr que s'il fait 18 dehors, qui fait 20 à l'intérieur, je me dirais que c'est au minimum un quart d'heure, peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Alors, une donnée, je pense aussi qu'il faut signaler, c'est qu'il ne faut pas travailler non plus la fenêtre grande ouverte tout le temps parce qu'il ne faut pas créer de courant d'air pendant la salle de soins. Oui. L'idéal, c'est d'avoir
une ventilation permanente des locaux, une ventilation légère permanente des locaux. Donc, soit ça passe par le fait que j'ai une entrée d'air, donc c'est généralement des grilles au-dessus des fenêtres qui est associée à une VMC. Donc, j'ai un flux d'air permanent qui fait que mon air est globalement renouvelé un petit peu pendant toute la durée du soin. Ça peut aussi passer par le fait d'avoir une fenêtre oscillo-battante qui est un petit peu ouverte et qui permet d'avoir un léger flux d'air pendant les soins. Maintenant, la problématique de se dire que je vais avoir les fenêtres grandes ouvertes pendant les soins, c'est que pendant que je vais créer mes aérosols, pendant que je vais générer mes aérosols, eh ben, je vais avoir du courant d'air, un qui va m'empêcher de bien aspirer les aérosols, parce que là, on n'en a pas parlé, mais avant de s'occuper de décontaminer la pièce des aérosols présents, le premier objectif, c'est de diminuer au maximum la quantité d'aérosols produite. Et donc, diminuer la quantité d'aérosols produite, ça va être de faire en sorte de favoriser, par exemple, les contraintes bagues rouges versus les turbines. Ça va être de se dire qu'aujourd'hui, la priorité des priorités n'est pas forcément de faire le détartrage annuel ultrasonore à mon patient qui peut très bien attendre 3 mois pour avoir son contrôle et son détartrage annuel. Et ça va être de faire en sorte que la contamination de ces aérosols, je les diminue le plus possible, notamment en posant la digue systématiquement dès que c'est possible. Alors. Et comment gérer nos salles de soins qui n'ont pas de fenêtres ? Eh bien. Alors, ce qui est sûr, alors on va parler des épurateurs d'air juste après. Étant donné qu'il n'y a pas de, recommandation ferme et définitive des. Personne ne veut statuer dessus de manière ferme et définitive. Il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les épurateurs d'air, il y a des études qui ont été faites dessus. Parfois, ce sont des études qui ne sont pas significatives. Souvent, on se demande finalement quelle est la véracité de l'efficacité de ce type d'épurateur. Dire aujourd'hui qu'une salle de soins sans aucune ventilation va pouvoir être utilisée pour faire des aérosols avec juste un épurateur d'air, ça me paraît compliqué. Ça me paraît personne ne le dit de toute façon. Voilà, personne ne le dit. Personne ne le dit, oui. Alors, si on poursuit un petit peu sur cette thématique-là, on arrive sur la climatisation. Donc, la climatisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. À ce jour, l'utilisation de la climatisation pendant qu'on fait des actes qui génèrent des aérosols, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans la même problématique que la fenêtre grande ouverte. Si j'ai ma climatisation qui est ouverte à fond et qui est dirigée vers le fauteuil pendant que je suis en train de gérer, de créer des aérosols, c'est clair que mes aérosols, ils vont être perturbés, ils vont être diffusés dans l'ensemble de la pièce, alors que moi, mon objectif, c'est de les circonscrire et de les aspirer au moment où ils sont créés. Donc, c'est sûr qu'avoir une climatisation qui tourne en permanence dirigée vers le fauteuil, ça, ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui est possible, c'est de se dire qu'une climatisation, déjà, elle peut être utilisée en dehors de la période où on génère des aérosols, en dehors de la période où on va aérer, parce que ça ne sert à rien de refroidir l'extérieur. Donc, à minima, on peut l'utiliser en dehors de ces périodes-là. Après, en fonction de où se situe la climatisation, on peut très bien envisager qu'il y ait un fond de clim à minima qui tourne, qui n'est pas dirigé vers le fauteuil et qui ne perturbe pas, qui n'entraîne pas une perturbation des aérosols. Ça, après, c'est encore dans la... Quelle est la configuration des locaux ? Quelle est la configuration de la clim, où se trouve le fauteuil. Tout ça, ça dépend de comment est organisé le cabinet. Donc, on en a parlé tout à l'heure des filtres de climatisation. En général, et c'est même tout le temps, hein, les filtres qui sont utilisés dans les climatiseurs ne sont pas des filtres HEPA, ce sont des filtres anti-poussière. Et il semblerait compliqué de mettre en place des filtres vraiment HEPA au niveau des filtres de climatisation. Ce qui est sûr, c'est que dans ce contexte où on va faire brasser, si on utilise la climatisation, et on va pas se mentir, on arrive dans une période où il va faire chaud, donc on va avoir besoin de mettre notre clim, donc on va brasser de l'air qui est potentiellement contaminé. Effectivement, il faut se dire que ce filtre, il faut essayer de le changer, de le nettoyer
régulièrement, si possible une fois par semaine. Et quand on va changer le filtre, on va faire en sorte d'être nous-mêmes protégés avec des gants, avec un masque et avec une protection. Alors, un petit détail sur la climatisation. Attention au climatiseur individuel, c'est-à-dire le petit climatiseur qui a un tuyau qui va ressortir par la fenêtre. Ces climatiseurs, en général, vont refroidir en humidifiant l'air. Et donc, on sait que le SARS-CoV-2, il se conserve mieux, entre guillemets, dans un milieu humide. Il aime bien l'humidité. Et donc, c'est sûr que ce type de climatiseur qui va avoir tendance à augmenter le taux d'humidité de la pièce, eh ben on va se dire que ceux-là, par contre, il faut les bannir. Alors, concernant les épurateurs d'air. Donc, c'est pareil, c'est un sujet qui est très litigieux, puisque vous, comme moi, on reçoit quotidiennement 2, 3, 4, 5, 10, 20 publicités sur des épurateurs d'air qui vendent tous leurs mérites divers et variés. Ce que l'on sait aujourd'hui sur les épurateurs d'air, il y a deux techniques, soit c'est des techniques de piégeage, soit c'est des techniques qui vont viser à détruire les germes. Donc, le piégeage, c'est principalement par des filtres, et notamment des filtres HEPA, donc haute efficacité. En général, on estime qu'il faut un minimum de filtres HEPA niveau 13 au minimum, si possible un petit peu plus. Et puis, vous avez des techniques de destruction, d'oxydation, de destruction, notamment des ultraviolets. Les ultraviolets, il y a des études qui montrent que c'est efficace pour détruire les germes. Maintenant, dans la réalisation concrète, il faut se dire que un dispositif d'épuration d'air, dans l'idéal, il devrait coupler ces deux techniques-là, c'est-à-dire une technique de piégeage, une technique de destruction. Est-ce que dans tous les éléments qui nous sont proposés, dans tous les dispositifs qui nous sont proposés, est-ce qu'il y a une étude virologique qui a été réalisée pour vérifier la véracité? Dans beaucoup de situations, non. Il faut mettre en balance quand même que certains épurateurs d'air vont générer eux-mêmes une pollution intérieure, c'est-à-dire que les produits de dégradation, et notamment quand on est sur de la catalyse, risquent de créer des polluants qui vont eux-mêmes pouvoir poser des problèmes au niveau des patients et des soignants. Il faut prendre en compte la notion de nuisance sonore, parce que vous avez un appareil que vous allez devoir mettre au plus près de la source de contamination, donc au plus près de vous, au plus près du patient. Je pense que c'est pertinent de demander le débit sonore, le volume sonore de ce type d'appareil. Donc clairement, aujourd'hui, personne n'est capable de dire vous avez des choses qui sont avérées, sûres et certaines. Ce qui est d'avis d'experts reconnu, c'est que ce type de dispositif seul, sans ventilation, dans une salle de soins qui ferait des aérosols, ça paraît difficile à mettre en œuvre. Nicolas, Jean-Michel ? Non, tout à fait d'accord. C'est beau, il n'y a pas assez de données actuellement, donc c'est vrai qu'il faut être complètement, je suis d'accord avec toi, il faut s'en méfier. Donc juste pour rappel, la transmission du Covid-19, le SARS-CoV-2, on les traite par voie directe. Donc, il y a une transmission directe qui se fait par gouttelette quand le patient il va tousser, éternuer, parler. Et puis, il y a une transmission indirecte qui va se faire par des surfaces contaminées. Et puis, il y a cette fameuse contamination par aérosol contaminé qui est toujours un petit peu… On sait que ce n'est pas la voie principale de transmission du Covid-19, mais c'est une voie qui ne peut pas être exclue. Donc, ça veut dire que cette notion d'aérosol contaminé ne peut pas être occultée dans l'adaptation de nos techniques de prise en charge et dans l'adaptation de nos techniques de désinfection entre chaque patient. Donc, ça veut dire que cette notion de renouvellement de l'air, de purification de l'air entre deux patients, on ne peut pas l'exclure. Et donc, dans cette même idée, quand on va un petit peu plus loin, parce que là, on était dans la salle de soins, si on regarde ce qui se passe dans le local technique, donc on a tous des grosses machines qui font beaucoup de bruit dans notre local technique. Il faut différencier deux choses. Vous avez
votre système d'aspiration, vous avez votre système de compresseur d'air. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de cabinets, bah, votre système d'aspiration qui va filtrer avec le récupérateur d'amalgame, avec des filtres bactériologiques ou pas, et bah, il va ressortir de l'air. Et cet air, bah, c'est de l'air qui est potentiellement contaminé par du virus. Et donc, cet air qui ressort au niveau de votre aspiration, c'est de l'air contaminé, potentiellement. Donc, ça veut dire que si votre aspiration rejette de l'air dans votre cabinet, vous êtes en train de fonctionner en circuit fermé, où vous aspirez de l'air contaminé et vous rejetez l'air contaminé. Donc, c'est pour ça qu'une de venir installer un filtre HEPA au minimum de classe 13, H13, sur la sortie de l'aspiration, ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de donner sur l'extérieur, sur un endroit où j'ai pas de passage, ça donne sur un jardin, ça donne sur un étage, ça donne sur... Je fais en sorte que ma sortie d'aspiration, elle sorte à l'extérieur. Deuxième option. Troisième problématique, c'est quand j'ai dans mon local technique, en même temps, mon aspiration qui rejette l'air et mon compresseur qui prend l'air pour pouvoir venir me mettre de l'air comprimé dans ma soufflette. On se rend bien compte que si j'ai de l'air contaminé qui sort de mon aspiration et que juste à côté, c'est mon compresseur qui récupère cet air-là, ça ne va pas. Donc là, on est dans la même problématique. Soit je mets un filtre HEPA sur, ma sortie d'aspiration, soit j'ai un filtre HEPA à l'entrée de mon compresseur. Autre solution, ce qu'on a évoqué juste avant, ma sortie d'aspi, je la mets vers l'extérieur. On a une question qui est le rythme de changement des filtres. Alors ça, c'est en fonction du fournisseur. Alors en ce moment, a priori, les filtres HEPA d'aspiration, c'est très compliqué à trouver. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle réflexion à avoir sur l'organisation de mon local technique et de voir si en première intention il n'y a pas une possibilité facile de faire une sortie de l'air vicié sur un endroit qui n'est pas occupé. Il y a une question sur le Dyson aussi, agréé par l'Institut Pasteur donc, pour les virus. C'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que ça veut dire quoi sur les virus? Oui, c'est ça la réponse. Sur les virus, c'est quoi? Les virus enveloppés, les virus nus, c'est des coronavirus, c'est pas des coronavirus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque système d'épuration d'air, chaque spray assainissant va vous dire qu'il est efficace sur les virus. En général, ce sont des conditions expérimentales. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études in vivo dans un cabinet dentaire sur des particules virales pour montrer l'efficacité. Il faut que vous sachiez que, avec tout le travail qu'on a mis en œuvre, et notamment un travail qui est en partenariat avec l'INRS, toute la modélisation justement pour savoir combien de temps il faut ventiler une salle de soins pour qu'elle puisse être efficacement purifiée par une ouverture de fenêtre, l'INRS va justement lancer une étude sur les aérosolisations dans les cabinets dentaires pour avoir des vraies données pour savoir comment se comportent les aérosols dans un cabinet, comment on va les traiter et comment on va les gérer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous interrogez ces professionnels de la ventilation qui travaillent sur les épurations d'air dans des milieux industriels, ils vous disent les épurateurs d'air, aujourd'hui, on n'a pas de données fiables, scientifiques là-dessus. Donc, c'est toujours compliqué parce que le commercial qui va venir vous voir, il va vous dire c'est efficace sur les virus, mais il va falloir les creuser un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Et pour donner un parallèle, attention, c'est pas parce qu'on vous dit qu'une technique est efficace sur des virus qu'elle va être efficace dans votre épurateur. C'est-à-dire qu'il faut vous poser la question et aller regarder dans la notice technique
quel est le temps d'application minimum de la technique pour avoir une activité virucide? Parce que si vous avez besoin pour une technique A d'avoir un temps de contact avec le virus de 5 minutes pour que le virus soit tué, vous imaginez bien que ce n'est pas votre air qui va passer dans votre filtre et qui va passer en 2 secondes devant le dit système qui va être efficace. Donc moi, je vous encourage, avant d'investir, à regarder les notices techniques, à voir ce qui est proposé par de faire une petite étude de marché. Parce que là, aujourd'hui, on essaie de nous vendre tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de n'importe quoi. Et pour la marque qui est citée pour avoir été regardée, effectivement, ils décrivent par rapport à la taille des particules et la taille des virus, mais ils ne décrivent pas du tout dans les conditions qu'on a, c'est-à-dire des aérosols, quelque chose de mouillé, et donc on n'a pas du tout les données qui concerneraient une pratique de chirurgie dentaire. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de données dans notre exercice pour dire le filtre... le système A va fonctionner dans un cabinet dentaire, parce qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le volume de votre pièce, le volume de votre salle de soins. On n'est pas du tout sur le même schéma quand on a une salle de soins qui fait 10 mètres carrés, quand on a une salle de soins qui fait 45 mètres carrés. Et donc, l'autre élément qui est important de regarder, si vous envisagez de vous équiper d'un épurateur d'air en complément de la ventilation, ça va être évidemment de regarder quel est le taux de renouvellement d'air qu'on vous propose et de voir si ça correspond au volume de votre pièce, bien entendu. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie concernant maintenant l'équipe soignante, les praticiens et l'assistante. Puis vous allez voir qu'ils vont être protégés un peu de manière analogue, et bien heureusement. Tout d'abord, je vous rappellerai qu'il faut mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une obligation, et plus particulièrement en ce moment. Vous pouvez trouver en téléchargement sur les sites professionnels, scientifiques et aussi syndicaux différents modèles. Il vous faut donc actualiser vos protocoles. Il faut imprimer et afficher ces nouveaux protocoles. Il faut bien sûr former votre personnel à ces protocoles additionnels, puisque comme on l'a dit en début de conférence, il faut garder les fondamentaux que l'on connaît tous. Et bien sûr, il faut vous faire le point sur la disponibilité des équipements de protection individuelle, puisque bon, vous savez que c'est l'élément clé, et que sans éléments de protection individuelle, la reprise ne peut pas être faite. Et bien pour l'équipe soignante, il faudra bien sûr avoir une tenue professionnelle dédiée de base, c'est-à-dire qu'il faudra bien sûr avoir les avant-bras dégagés, les ongles courts, pas de vernis, pas de faux ongles. Il ne faudra pas porter de bijoux aux mains, aux poignets. Il faudra attacher les cheveux si ceux-ci sont longs ou sont mi-longs. Et bien sûr, il faudra penser aux solutions de lavage dès qu'il va y avoir des changements de tenue. Vous aurez donc une tenue professionnelle habituelle. Et puis ensuite, en fonction des risques qu'on a évoqués au départ, eh bien, il va falloir adapter les éléments complémentaires et notamment les masques. Au niveau administratif, on pourra avoir des masques chirurgicaux puisqu'on est sur un risque qui va être faible à modéré. Au niveau des soignants, par contre, la clé, ça va être d'adapter ces masques en fonction du type de rendez-vous, comme on le disait. Schématiquement, lorsque vous êtes dans des soins sans aérosol, donc ça va être une consultation par exemple, vous allez pouvoir vous contenter d'un masque chirurgical. Vous pourrez le compléter par une charlotte et un écran facial ou des lunettes de protection. Et bien sûr, il faudra ventiler, comme on l'a dit régulièrement, les locaux, mais pas spécialement entre tous les patients. Ensuite, vous allez avoir les soins qui vont enclencher des aérosols. Et là, vous allez avoir deux types d'évaluation qu'il va falloir faire, à savoir si vous avez des aérosols souillants ou non souillants. Si vous êtes en aérosol non souillant, vous mettrez un FFP2, comme pour tous les aérosols, mais vous pourrez vous contenter de compléter avec un tablier en plastique, bien sûr, charlotte, lunette de protection et écran facial. Il ne faudra pas oublier la ventilation de 15 minutes entre les patients. Par contre, si vous êtes en aérosol souillant, là, il va falloir passer en protection totale, donc bien évidemment FFP2, mais surtout la surblouse. Si vous n'avez pas de surblouse, il faudra garder le tablier avec des manchons pour vous protéger. Et bien sûr, on reste sur le principe d'avoir une charlotte, lunettes et écran de protection. L'écran de protection permet de protéger le masque et d'éviter qu'il se mouille. Ces mesures doivent être maintenues au moment du bio-nettoyage par ceux qui possèdent au bio-nettoyage et ça doit être les mêmes mesures de protection. Michel. Concernant les masques, pour faire un petit point rapide, vous savez qu'il y a deux types de masques. Les masques chirurgicaux qu'on connaît de manière classique ont une filtration de l'air qui est supérieure à 80%.
et les masques FFP2. Alors maintenant, vous savez qu'on a des équivalences, puisqu'on a le droit d'utiliser des équivalences. On a le droit de les porter plus longtemps. Normalement, il faut les changer à chaque patient, mais on sait qu'on peut les porter jusqu'à 8 heures actuellement. Très sincèrement, déjà 4 heures, c'est déjà très difficile à supporter. Il y a un taux de filtration de 94%, donc c'est un taux de filtration qui est largement suffisant. Certains, des fois, évoquent des FFP3, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à des FFP3. Par contre, il faudra indiquer à vos équipes comment les mettre, puisque c'est bien sûr une autre technique, et vous avez ici une démonstration qui est faite par la Société française d'hygiène hospitalière. Comme vous voyez, les élastiques doivent passer de part et d'autre des oreilles, et surtout, quand le masque va être positionné, il faudra faire un test, c'est-à-dire aspirer et voir cette déformation dans le masque pour être sûr qu'il y a une étanchéité qui est assurée. Ensuite, il va y avoir des précautions que vous allez pouvoir enclencher au niveau du patient. Tout d'abord, lui rappeler quand vous l'aurez au téléphone que il doit se brosser les dents avant de venir au cabinet. C'est vrai que ça paraît basique, mais par exemple en orthodontie, des fois, il faut rappeler au petit patient que c'est utile. Le patient devra garder son masque, venir avec un masque, le garder jusqu'à ce que les soins commencent et le remettre immédiatement après les soins. Vous pourrez favoriser les gestes qui n'enclenchent pas des toux ou des sécrétions salivaires et par exemple favoriser la radiographie extrabuccale dans le respect bien sûr des recommandations, mais si possible la favoriser par rapport à la radiographie intrabuccale. Vous pourrez aussi agir au niveau de votre instrumentation pour limiter la production d'aérosols et par exemple utiliser un contre-angle va délivrer à peu près 5 fois moins d'aérosols par rapport à une turbine. Et problématique, quelque chose dont on entend parler très régulièrement, c'est le rinçage et c'est les bains de bouche. Et bien actuellement, la conclusion générale qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas encore de données suffisantes sur le coronavirus. En effet, les bains de bouche ont montré leur efficacité bactérienne, c'est quelque chose qu'on connaît puisqu'on l'utilise de manière courante avant des soins. Par contre, comme je vous le disais, sur le coronavirus, il n'existe actuellement aucune donnée qui permette de préjuger de l'efficacité des bains de bouche sur le coronavirus. Il y a différentes concentrations qui ont été utilisées, différents tests qui ont été utilisés. Certains professionnels semblent aller vers la povidone iodée, mais sans preuve réelle de l'efficacité. Il faut garder aussi en tête que des fois, le fait d'utiliser un bain de bouche va créer un réflexe nauséeux ou une toux et finalement, va créer une contamination secondaire par production d'aérosol. C'est ce qui aussi conduit certains à s'interroger du moment opportun de réaliser le bain de bouche. Mais en aucun cas, vous ne pouvez prescrire un bain de bouche en vous disant qu'il aura une action prouvée sur le coronavirus. Une question sur les filtres pour compresseurs et aspi qui ne sont disponibles au mieux fin mai, voire juillet. La question est, on commence à travailler avant quand même. La première alternative, c'est de voir si effectivement on n'a pas une solution pour différencier la sortie d'aspi et le compresseur, de voir si on ne peut pas se permettre de prolonger un cordon d'aspiration pour aller... faire une sortie vers l'extérieur. Maintenant, je pense que la question est intéressante. Sans être extrémiste et parler de juillet ou de choses comme ça, là aujourd'hui, on a une date, et j'anticipe peut-être un peu sur la conclusion, mais on a une date au 11 mai, lundi, c'est dans 4 jours. Personne n'a dit que les dentistes devaient rouvrir le 11 mai. Hein. Le 11 mai, c'est la date à laquelle on pense qu'on va pouvoir rouvrir. Aujourd'hui, il faut que chacun se dise, et moi le premier, là où je suis dans mon cabinet, aujourd'hui j'ai évalué les faisabilités d'ouverture lundi, je n'ouvrirai pas lundi. Je n'ouvrirai pas lundi parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions, je n'ai pas les EPI, je n'ai pas réglé certaines questions vis-à-vis de ma ventilation. Donc il y a un moment où, si on ne peut pas exercer dans les bonnes conditions, oui, peut-être qu'il ne faut pas réouvrir lundi. Et donc la question de si effectivement j'ai... mon aspi qui rejette l'air dans ma salle, eh ben, il va falloir que je le prenne en compte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réouvrir à cause de ça, mais ça veut dire que, je vous donne un exemple concret, si votre aspiration, elle vous rejette de l'air dans votre salle d'aspiration, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte l'aération de votre salle de manière beaucoup plus importante que si ça n'était pas le cas. J'espère avoir répondu à Isabelle. La conclusion de ce que dit, c'est que le praticien est responsable de sa pratique et c'est à lui de le faire en son âme et conscience. Tu l'as dit beaucoup mieux que moi.
Donc, on va parler du bio-nettoyage et des relations praticien-prothésiste, parce qu'effectivement, le bio-nettoyage a toujours existé. Ça, c'est les fondamentaux. On avait commencé avec ça, donc on va conclure avec ça. Donc, il ne faut pas modifier les procédures de classique. Non, c'est bien. Oui. Il ne faut pas modifier les procédures standards de prise en charge des instruments chirurgicaux et autres dispositifs médicaux. Il faut effectivement respecter les mesures et les recommandations sur l'asepsie dans les cabinets dentaires et les cabinets d'ortho et les cabinets d'implanto et tous les cabinets médicaux de manière très générale. Il faut vérifier. Alors ça, par contre, ça a été la grande découverte de cette pandémie, c'est qu'en fait, nos produits de désinfection doivent respecter une norme virucide qui est la norme NFEN 14476. Et la grosse blague et la grosse découverte de beaucoup de praticiens, ça a été de voir que les produits utilisés n'étaient pas et ne respectaient pas cette norme-là. Donc ça, je vous invite à regarder. Il y a une alternative avec une dilution d'eau de Javel. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est assez facile à mettre en place assez rapidement. Ce n'est pas comme l'installation d'une CTA, par exemple. Mais vérifiez quand même tout ceci. Les EPI, donc les équipements de protection individuelle soulés ou mouillés, doivent partir dans la filière des déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc les DASRI. Donc effectivement, on peut avoir une augmentation certaine de nos déchets à gérer. Donc veillez avec les établissements qui traitent vos DASRI de la faisabilité des choses et puis voir comment pour vous organiser pour les stocker avant de les jeter. En revanche, les EPI non souillés et non mouillés, donc ceux-là en fait partent dans les déchets de ménagers classiques avec des doubles sacs et un stockage pendant 24 heures avant de les mettre à la benne, hein, voilà, classiquement. Faut-il chanter l'eau de ville et mettre un produit virucide dans les bouteilles ou fauteuils? Je ne crois pas. En toute sincérité, je ne crois pas. En tout cas, il n'y a aucune recommandation dessus. A priori, l'eau, elle est potable. Donc, n'est-ce pas plus simple de mettre tous les EPI avec les DASRI? Alors, si, c'est sûrement plus simple en termes d'organisation. Maintenant, il faut raisonner en termes de volume et de coût parce qu'il y a une logique de conservation. Donc, je vous invite à regarder à nouveau les recommandations. Alors, vous pouvez prendre celle de l'ADF, vous pouvez prendre celle de la FFO sur l'asepsie au cabinet dentaire et regardez, ou dans les cabinets d'ortho, et regardez bien le volume de DASRI à conserver en fonction du temps. Donc, je ne suis pas certain que ça soit plus simple en termes d'orga. Enfin, c'est vraiment à chacun de faire un petit peu ce qu'il entend dans son cabinet. Pour le laboratoire, alors oui, nos collaborateurs prothésistes vont devoir gérer eux aussi ce risque infectieux. Également pour eux, pour leurs salariés, pareil. Donc, il faut les informer sur les procédures de désinfection appliquées au cabinet et qu'eux-mêmes doivent appliquer parce qu'ils ne sont pas nécessairement formés pour ça. Donc, je vous invite de vous rapprocher d'eux. Et puis, sinon, c'est les produits virucides, norme toujours la même, 14-776, ou alors de l'hypochlorite de sodium. La conclusion vers une reprise de soins sécurisée. On y a tous travaillé, on y a tous réfléchi, les recommandations sont faites pour ça, les risques ont été identifiés, les risques pour tout le monde, les risques pour les patients, les risques pour les praticiens, les risques pour les salariés. Les mesures de protection à mettre en face des risques ont été trouvées, recherchées, elles sont avérées, elles se reposent toutes sur des articles, c'est pas sorti de la tête de quelqu'un. Et ces mesures-là nous permettent de retravailler à condition que toutes les conditions soient requises. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, tout le monde connaît les règles du jeu, tout le monde sait ce qu'il y a à faire et tout le monde doit le respecter avant de pouvoir reprendre afin de travailler dans de bonnes conditions de sécurité pour nous, pour nos patients, nos personnels et nos familles également. Alors, il y a une question de Cindy. La Javel suffit-elle pour la désinfection des surfaces? Alors, il faut savoir que la dilution de la Javel qui est préconisée, c'est du 0,1%. À cette dilution, la Javel, elle est bactéricide, fongicide et virucide en condition de propreté. C'est-à-dire que vous devez avoir fait d'abord passer un détergent, rincer le détergent, sécher et ensuite passer votre eau de Javel pour que ce soit efficace. Donc, si vous êtes dans un process avec de l'eau de Javel, vous avez beaucoup plus d'étapes à respecter puisque l'eau de Javel en soi n'est pas détergente. Donc, c'est sûr que dans un souci de simplification, l'objectif serait évidemment d'avoir un produit à la norme ENF, NFEN 14476.
d'autres questions? Je vais peut-être revenir juste un instant sur les surblouses, parce que c'est un petit peu aujourd'hui dans les EPI, donc les équipements de protection individuelle, on s'aperçoit qu'on a des solutions qui arrivent sur les masques. On va tous avoir à peu près des masques la semaine prochaine, normalement, au travers des pharmacies. Il y a le circuit d'approvisionnement classique par nos fournisseurs habituels, où les masques FFP2 vont commencer à revenir dans le circuit et on va pouvoir commander et être livré le masque FFP2. Donc finalement, les masques FFP2 ne vont plus être le point bloquant des équipements de protection individuelle. Un des points bloquants auxquels on va être confronté, ça va surtout être les surblouses, puisqu'aujourd'hui, vous avez plusieurs options pour les surblouses. Soit vous êtes sur de la surblouse à usage unique, donc soit de la surblouse plastique, soit de la surblouse en non tissé, soit vous êtes sur de la surblouse réutilisable, donc de la lavable, qui est soit en tissu, soit en polyéthylène. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on essaie de se fournir en surblouse à usage unique, on n'en trouve pas. Pour en avoir en précommande, soit vous en avez déjà, soit vous en avez eu par un circuit particulier, mais c'est compliqué à avoir aujourd'hui de la surblouse à usage unique. Donc ce vers quoi on se tourne de manière préférentielle, c'est des surblouses lavables, d'autant plus que, il ne faut pas se mentir, là on commence une période difficile pour nous tous. Les surblouses, on va devoir, les protocoles qu'on met en place là, on va devoir les utiliser pendant un certain temps. Donc si on essaye de se projeter en termes de viabilité, se dire qu'on va être en permanence en train d'acheter des surblouses jetables et qu'on va faire ça pendant plusieurs semaines, voire peut-être pendant plusieurs mois, on se dit que d'un point de vue rentabilité, c'est compliqué. Et d'un point de vue coût, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il n'est pas inintéressant ou inutile de se pencher sur le fait de s'équiper en surblouse lavable, d'équiper son cabinet avec une machine à laver et de se dire que les surblouses, elles sont lavées, on les utilise pour un patient, on a un pool de surblouses de 2, 3, 4, 5, 10, 15 surblouses et ces surblouses, elles sont lavées, séchées au niveau du cabinet. Il y a aussi des systèmes de laverie qui fonctionnent avec les cabinets médicaux, donc c'est aussi possible de se dire si je n'ai pas la possibilité de mettre en place une machine à laver dans mon cabinet, je prends un abonnement d'une laverie. C'est comme pour les dasseries, c'est comme pour les déchets d'amalgame. Il y a des abonnements pour ce genre de choses. Et ils nous récupèrent nos surblouses, ils nous les lavent, ils nous les rendent laver, repasser, ainsi de suite. J'ai fait chiffrer hein, pour mon cabinet, ça, hein, ça. Il y en a pour à peu près 500 balles par mois. Voilà. Bien, Jérôme, on va te laisser peut-être la parole. Je ne sais pas si tu as peut-être des questions. Il y a une question sur les cordons d'eau contaminés, sur l'eau qui est contaminée dans les cordons. Oui, beaucoup se posent la question. Oui. Si on reprend la DGS 2006, normalement, entre chaque patient, on est censé purger les cordons de l'unité. Hein. On est censé purger pendant 30 secondes les cordons de l'unité. Donc ça, c'est les recommandations standards et il faut le faire entre chaque patient. C'est ce qu'on disait, hein, les recommandations standards sont suffisamment robustes. On est vraiment dans des précautions additionnelles qui concernent surtout l'équipe soignante, mais les proportions, les méthodes de nettoyage sont très robustes hein, si elles sont parfaitement appliquées. Et on s'est installé dans une certaine routine qui les a laissées un peu de côté. Voilà. Il y a des questions qui sont posées aussi sur, pour les salariés. Jérôme ? Oui. Les questions qui sont posées pour les salariés. Nous avons perdu Jérôme, ah, parce que notre régie. Tu m'entends pas ? Si, tu m'entends. La question qui est posée pour les salariés, c'est d'abord la gestion des repas, des pauses. Est-ce qu'il y a un type d'organisation, un schéma type qui a été envisagé? Moi, je pense qu'il faut se rapprocher à ce moment-là du document qui a été édité par le ministère du Travail. Absolument. Voilà, sur la reprise d'activité dans les entreprises. Parce qu'effectivement, il va falloir s'organiser pour qu'il y ait aussi une distanciation sociale entre les salariés. Et donc, ça peut passer par des pauses en décalé, ça peut passer par le port du masque, ce qui est d'ailleurs recommandé, le port du masque chirurgical en dehors des périodes de soins au sein d'un cabinet pour les salariés, pour les praticiens. Alors bien sûr, quand on est en train de manger, on ne porte pas le masque chirurgical. Mais les mesures de distanciation sociale au moment des pauses doivent être respectées. Alerte de système UI serveur. Comme tu disais, donc ça s'appelle le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Vous pouvez le télécharger sur le site du gouvernement et il est parfaitement explicite sur les conditions de
de travail. Ça s'applique aussi pour les conditions pour s'habiller, pour se déshabiller, pour le vestiaire. Tout est indiqué dessus. C'est pareil. Oui. Absolument vrai. Ok. Sachant qu'en plus dans les recommandations qui ont été faites, il y a aussi les techniques qui sont proposées pour se déshabiller, se rhabiller avec les EPI. C'est aussi quelque chose qui vient en complément. À noter que quand on change de tenue professionnelle à la fin de la journée ou à mi-journée, il faut faire une hygiène des mains une fois qu'on a changé de tenue professionnelle. Et aussi ne pas la ramener à la maison, voilà. Comme on disait tout à l'heure, utiliser les filières adéquates. Ok. Est-ce qu'on a le droit de prendre la température des patients à l'arrivée dans nos locaux ? Alors la question n'est pas le droit, c'est est-ce que c'est utile ? Le Haut Conseil de Santé publique s'est prononcé il y a quelques jours sur la pertinence de prendre la température dans la phase de déconfinement. Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que c'est pas quelque chose qui est efficace, dans le sens où il y a des gens qui vont être Covid positifs qui n'auront pas de température. Vous en avez d'autres qui auront de la température, pas pour des raisons Covid positifs. Vous en avez qui auront de la température, mais comme ils se sont automédiqués, elle se verra pas. Et puis enfin, il y a trois éléments importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la prise de température, ça veut dire que ça passe par une prise de température frontale, avec ce que ça vaut comme efficacité et fiabilité en fonction du matériel que vous allez trouver. Aujourd'hui, si vous essayez de vous équiper en thermomètre frontal, vous n'en trouvez pas. Et le troisième élément, c'est que c'est ce qu'on a dit depuis le début, le niveau de risque, le niveau d'équipement du praticien n'est pas corrélé au niveau de risque du patient. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes mesures de protection pour le personnel, pour le praticien, pour le patient A, le patient B, pour le risque de transmission, qu'il soit du groupe A, du groupe B, du groupe C, du groupe D. Donc, qu'il ait de la température ou qu'il n'en ait pas, finalement, ça ne change rien. Donc, si vous voulez prendre la température parce que vous pensez que ça va rassurer vos patients, faites-le. Mais déjà, on vient de voir qu'il y a des process assez importants et assez contraignants qu'on est obligé de mettre en place pour l'aération, pour la désinfection, pour le checking des patients avant. Ne vous rajoutez pas quelque chose en plus qui n'est pas recommandé, n'est pas nécessaire puisque ça ne changera rien à votre prise en charge. Voilà. Pour le ménage réalisé par une entreprise externe, quelles sont les obligations ? Est-ce que la personne doit-elle porter un masque, des surchaussures et des gants ? Quand c'est d'une entreprise externe, il faut prévenir l'entreprise externe des modalités particulières et du risque particulier. Charge à l'entreprise externe de l'appliquer pour ses salariés. Mais bien évidemment, ça sera logique de les protéger aussi avec des masques, etc. Mmh. Si un patient est testé positif Covid ou un de ses proches, si le patient est passé par le cabinet, Juste un petit détail sur le personnel qui fait le ménage quand on parle femme de ménage. Donc après, évidemment, les soins quand le cabinet est entre guillemets fermé, il n'y a pas de nécessité de porter un masque FFP2 quand on fait le ménage, d'accord. Donc il y a les protocoles qui sont recommandés, c'est du masque chirurgical. Ok. Il n'y a pas besoin pour faire le ménage a posteriori de porter un masque FFP2. Tout à l'heure, on a parlé de masque FFP2 pour le bio-nettoyage. Quand on est dans une salle où on a créé de l'aérosolisation, il y a des aérosols ambiants. Quand on fait le bio-nettoyage, on doit être avec un masque FFP2. Quand c'est la femme de ménage qui vient à la fin de la journée pour venir nettoyer, on n'est pas du tout là-dessus. Ok. Question, si un patient est testé positif Covid ou un de ses proches, si le patient est passé par le cabinet, est-ce que le cabinet est fermé ? Est-ce que les soignants sont confinés ? Alors non, parce que c'est le cas contact, c'est le praticien contact d'un cas avéré. On estime que le praticien, tout change tous les jours. Hein. Donc là, je vous donne l'information de ce qui a été publié, ce qui a été publié hier. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui soient décidées la semaine prochaine et qui aillent à l'inverse. Aujourd'hui, on estime que un praticien qui a été cas contact, c'est-à-dire qu'un de ses patients est venu au cabinet, en fait, le niveau de protection qui est mis en place au niveau du cabinet fait qu'on estime qu'il n'a pas été en contact étroit puisqu'il a été
puisque le praticien était protégé. Donc, il ne sera pas considéré comme étant quelqu'un qui a été potentiellement contaminé. Okay. C'est toute la notion, comme tu dis, de contact étroit pour détecter les gens. Et effectivement, contact étroit, c'est sans protection, en restant une certaine durée, etc. D'où la nécessité, encore une fois, et ça rejoint ce qui a été dit il y a 5 minutes, c'est qu'on n'adapte pas notre niveau de protection au type de patient, puisque un patient asymptomatique peut très bien être contaminant. On adapte notre niveau de protection, pareil pour tout le monde, et on va juste se protéger un petit peu plus quand on va faire des actes souillants, on mettra une surblouse. Mais le niveau de protection respiratoire reste le même. Quand on fait des actes aérosolisants, c'est FFP2. FFP2 et évidemment protection oculaire, lunettes, écran. Ok. Qu'est-ce qu'on fait des crachoirs? Est-ce qu'on les condamne? Oui. Il est recommandé de condamner les crachoirs. Ok. Si on a le Covid en tant que praticien, après l'arrêt de travail, quand est-ce qu'on peut reprendre? Quand cesse-t-on d'être contaminant? Alors ça, c'est les critères de sortie de confinement. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc dans la population générale, c'est au minimum le 8e jour post-début des symptômes, en s'assurant d'avoir eu 48 heures sans fièvre et sans difficulté respiratoire. Donc ça, c'est le critère de levée de confinement. Ensuite, il est recommandé pendant 7 jours au minimum de porter un masque. Donc après, il va y avoir une discussion, ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est des choses qui évoluent. Il y a une notion de port de masque important post-Covid, et ça, ça doit s'évaluer avec le médecin traitant. Ok, on a perdu Nicolas. Autre question que j'avais, c'était... Quels produits utiliser pour désinfecter les travaux prothétiques reçus? Quels doivent être les critères Les travaux prothétiques reçus? Oui. Alors, c'est une bonne question. C'est un peu la même chose que quand vous recevez des livraisons de Java à votre domicile. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose, non? Je pense qu'il pourrait être intéressant de connaître... On a dit dans le diaporama d'informer le prothésiste des mesures qui sont mises en œuvre pour les traitements d'empreintes. Ça peut être intéressant de demander quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre sur un traitement de prothèse qui revient au cabinet. Okay. Tout état de cause, on peut le traiter avec un produit virucide, de manière systématique. Hein, c'est qui peut le plus, peut le moins, quoi. Ok. Marie-Paul qui pose la question, que pensez-vous du système UV Mastercare proposé par Eric Compen? Puis on peut parler des UV en général d'ailleurs. On en a parlé tout à l'heure en fait. En fait, là le but c'est pas de se prononcer pour un système ou pas, c'est d'alerter les confrères sur des éléments qui doivent mettre en exergue quand ils vont choisir ou pas un système d'épuration d'air. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut se dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été testé avec un système virologique? Est-ce que c'est quelque chose qui va être efficace? Donc, il faut regarder la notice technique et qui ne sera pas nuisant pour moi, c'est-à-dire pas générateur de nouveaux polluants. Est-ce qu'au niveau sonore, on va se retrouver avec quelque chose qui est une tondeuse à gazon à côté de mon fauteuil? Et puis, il y a aussi d'autres questions qui se posent sur la faisabilité après dans le temps. C'est-à-dire qu'on vous vend quelque chose avec un filtre dedans. Et puis, si on vous explique qu'en fait, le filtre, il faut le changer toutes les 2 semaines et que ça coûte 500 € le filtre, voilà, il y a des questions aussi à se poser sur la faisabilité de la maintenance et sur l'efficacité. Attention aux gens qui... Je ne me prononce pas sur le système... d'Eric Compen. Je dis juste attention à ne pas s'engouffrer dans quelque chose qui aujourd'hui ne serait pas validé. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui, si vous avez des fenêtres, si vous faites toutes les mesures barrières pour limiter la création d'aérosols, pour limiter la contamination par des aérosols que vous générez, pour faire en sorte qu'on n'ait pas forcément besoin de ce type de système. Et attention aux UVC.
La façon dont c'est utilisé, si c'est utilisé en direct, il y a des zones d'ombre, il y a des choses comme ça qui sont à prendre en compte. Ok. On en saura plus dans quelques semaines, encore une fois. On a une assistante dentaire qui nous demande comment gère-t-on le masque du patient. Donc, j'imagine, dès qu'il est au fauteuil, il retire son masque. Est-ce qu'il le garde sur lui? Est-ce qu'il le met dans un sac de congélation? Alors, c'est ce qu'on disait au tout début. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des grandes lignes qui sont décrites par les différentes recommandations. Et nous tous, dans nos cabinets, on est en train de faire en sorte d'appliquer ça dans la vraie vie de tous les jours. Et ça en fait partie. Donc, c'est vrai que ça va dépendre de l'organisation de chaque cabinet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir en tête que le masque d'un patient, c'est un objet qui est contaminé. Donc, évidemment, je ne vais pas le prendre et le poser sur mon plan de travail comme ça. Donc, soit on a un sac de congélation et éventuellement, on demande au patient de venir avec un sac de congélation. Le masque est mis dedans et ensuite, on lui redonne. Soit c'est quelque chose qui peut être mis. Le masque pourrait très bien être mis sur un plateau. Et ce plateau décontaminé après. Il y a différentes options possibles. Par contre, c'est toujours intéressant de rappeler aux patients qui n'ont pas forcément cette information qu'un masque grand public, ça se lave. Ça se lave et ça se lave à 60 degrés, tout comme les surblouses d'ailleurs lavables, ça se lave au minimum à 60 degrés pendant 30 minutes pour être efficace sur le coronavirus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Assainisseur d'air, pas d'intérêt? C'est pas ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je renvoie quand même les gens qui veulent s'intéresser à ça à la synthèse qui a été faite par l'ANSES en 2017 sur les épurateurs d'air, où beaucoup de points d'interrogation étaient mis à la fin de cette étude. Alors, il faut relativiser. C'était une étude qui n'était pas faite en milieu de soins. C'est une étude qui date d'il y a 3 ans. Mais ça met quand même en exergue un certain nombre de questions sur le peu d'études disponibles et sur le peu d'éléments qu'on a sur des choses qui peuvent être problématiques, notamment la génération de nouveaux polluants, le problème sonore et puis le problème d'efficacité, tout simplement. D'accord. Question aussi, c'est… D'ailleurs, malheureusement, en fait, il faut creuser les choses aussi un petit peu soi-même et ne pas se jeter sur la première machine venue. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ? J'ai une très grande fenêtre, j'ai une petite salle de soins, j'ai la possibilité de m'organiser de telle façon que je peux faire mon aération. Est-ce que c'est justifié de s'équiper en plus de quelque chose dont on n'est pas sûr que ça fonctionne? Je dispose d'une borne d'accueil tactile à l'entrée, donc entre mon cabinet pour annoncer mon arrivée. Est-ce que j'arrête de l'utiliser? Est-ce que je mets un cellophane dessus? Qu'est-ce que je fais? En fait, si le patient arrive avec un masque, qu'il a les mains qui sont nettoyées directement dans le cabinet avec du gel hydroalcoolique et il se retrouve dans une situation où il est propre, et après nettoyer très très régulièrement cet écran. Quoi. Ok. Par contre, si vous avez un doute sur le suivi, bah, autant le désactiver. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on gère au mieux les accompagnants? Est-ce qu'on demande aux parents de quitter le cabinet une fois la gestion administrative faite? Est-ce qu'on les laisse dans une salle d'attente qu'on avait prévu d'être condamné? Idéalement, c'est les laisser partir s'ils le peuvent et récupérer les patients à la sortie. Alors, soit en rappelant les parents, soit en donnant un horaire approximatif. L'idéal, on a dit, hein, c'est le moins possible de personnes non obligatoires à l'intérieur du cabinet pour éviter les croisements. D'accord. Encore une fois, c'est du cas par cas. Chaque cabinet. Alors, question également sur la télémédecine. Est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut coter? Comment peut-on l'intégrer dans notre pratique? On ne peut pas coter. Comment? On ne peut pas coter. On ne peut pas coter, ça c'est sûr. On peut pas coter, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut en faire? Oui. Est-ce que ça a une valeur légale? Pas vraiment, puisqu'en fait, on n'est pas en mesure de prouver, il n'y a aucun moyen d'attester. Et puis après, il y a le moyen d'utiliser et de faire la télémédecine avec le problème du secret médical et des données partagées. Très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent aussi des visières. La visière ne sert qu'à tenir au sec le masque, mais est-ce que l'aérosol peut contaminer les soignants par voie oculaire? Des lunettes type peintre au pistolet sont-elles nécessaires? Alors,
Il faut se rappeler, la contamination principale du Covid, c'est une contamination par gouttelette, contact direct. Donc, c'est le patient qui vous parle, qui vous touche dessus, qui vous éternue dessus. Ça, c'est géré par le fait qu'on ait une protection oculaire, donc avec soit un écran facial, soit des lunettes. Après, la contamination par aérosol, cette contamination, elle n'est pas avérée. Maintenant, il y a une certitude, c'est que aujourd'hui, les lunettes que nous avons en protection oculaire ne sont pas toutes à la norme, de protection 166. Il y a des questions à se poser de ce point de vue-là. Nicolas, Jean-Michel. En fait, il n'y a pas de réponse, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des lunettes de protection, une visière, la probabilité d'avoir un contact direct n'est pas du tout évidente, elle est même quasi impossible. En revanche, et toujours, la contamination de l'aérosol n'est pas prouvée aujourd'hui. Donc, en fait, on ne sait pas. Et puis après, il faut veiller à ce que tous les écrans et toutes les protections qu'on utilise respectent les normes. Comme le problème des masques actuellement qui arrivent et qui ne sont pas nécessairement tous respectant toutes les bonnes normes, il en est de même pour les visières de protection, il en est de même pour les lunettes. Et on peut même se poser la question sur certaines visières de protection qui sont bricolées ou auto-fabriquées, avec des choses qui pourraient éventuellement résister ou bien nous protéger de tout ce qui est projection de fluide, mais en tout cas pas d'un instrument qui casserait ou de quelque chose qui arriverait de manière directe. Donc, tentons d'avoir du matériel qui respecte les normes, tentons de l'utiliser à bon escient, et normalement, si tout est fait comme ça, on ne devrait pas avoir trop de problèmes de contamination au niveau oculaire, je pense. Ça, c'est mon intime conviction, en fait. Et après, reportez-vous aux recommandations qui sont très claires sur quand est-ce qu'on doit porter en fonction de souillant, non souillant, tout est dedans. Okay. Est-ce qu'il y a un risque moins élevé si on utilise un aéropolisseur ou tout autre dispositif en fait sans eau par rapport avec ou sans eau, est-ce que le risque est le même? Alors, utiliser un aéropolisseur sans eau. J'utilise régulièrement des aéropolisseurs en lingual. Pour ceux qui le font, en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça crache de partout. Hein. Donc, l'aérosol est très très important avec un aéropolisseur. Dans les recommandations, on déconseille d'utiliser l'aéropolisseur. Ouais. Et une sableuse, quoi. En fait, je pensais plus à une sableuse. Hein. Une sableuse sans eau, un aéropolisseur sans eau. Ça va être compliqué. C'est possible, mais le problème, c'est que ça envoie la salive. Il faudrait mettre la digue, éventuellement. Mais c'est... Enfin, voilà. Bah, la sableuse, oui, on utilise la sableuse sous digue, effectivement, quand on veut faire. Oui, la sableuse sous digue. En ortho. En fait, voilà, c'est ça. Ça dépend de l'application. Oui. La sableuse sous digue, on est d'accord qu'on isole la salive contaminée. Et donc, on n'est pas dans le même cas que quand on utilise un aéropolisseur en complément d'un détartrage, où on va être en direct et on va. Aérosoliser de la salive. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, hein, tous les instruments générateurs d'aérosol, à partir du moment où il y a une digue, on a isolé la salive, le sang, etc. Donc, on est avec des aérosols qui sont censés être de l'eau et de l'air, en réalité. Voilà. Clairement, l'idéal, c'est de mettre la digue dès qu'on peut. Voilà. Même pour coller des braquettes. Même c'est compliqué. Pour question pour les orthos. C'est compliqué, oui. C'est très compliqué. Il y a une question taquine pour Florian, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton cadre photo qui est derrière toi? Est-ce qu'il faut le retirer? Est-ce que parce que juste c'est une surface en verre, on peut le conserver? Est-ce que... Eh bien, je pense que je vais devoir le retirer. C'est problématique. Ensuite. Vous l'avez fait pleurer, arrêtez, c'est pas gentil. Là, c'est encore une surface simple qui est nettoyée, mais évidemment, toutes les autres décorations, il faut les retirer. Voilà, la question, c'est de se dire, j'ai quelque chose, je dois prendre en compte que quand je fais, j'utilise un rotatif, j'ai des projections jusqu'à 1,50 m, 2 m à partir de la source de mes projections. Donc, c'est clair que j'ai un périmètre autour de la tête du patient de 1,50 m à 2 m dans lesquels j'ai des projections et tout ce qui va y être à cet endroit-là, ça va être contaminé, c'est sûr, c'est certain.
Après, la question, c'est, je génère des aérosols qui vont diffuser dans la pièce. Est-ce que tous les objets qui sont dans la pièce, je dois les considérer comme contaminés et devant être nettoyés absolument entre chaque patient? Il est clair que l'objectif, c'est de diminuer au maximum les éléments qui pourraient être contaminés. Après, il faut quand même raison garder. Je vais réfléchir sur mon tableau. Moi, je dirais garde-le. C'est sympa. Ça va faire rêver les patients en plus. Voilà. Par contre, il faudra que tu nettoies un peu les plans de travail derrière. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de me préparer. C'est exactement, on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut réouvrir quand on est prêt. Quand on a les EPI, quand on a les process, quand on a analysé son cabinet et qu'on a tout mis carré. Il ne faut pas se dire forcément, parce qu'on a dit aux patients dans le grand public, parce que les patients ont eu cette notion de 11 mai, qu'il faut réouvrir le 11 mai. Je ne suis pas prêt pour le 11 mai, je ne réouvre pas le 11 mai. Je réouvre quand je serai prêt. Je fais le maximum pour être prêt le plus vite possible, mais voilà. D'accord. C'est clairement une analyse des risques qu'il faut faire. Hein. C'est exactement ça. C'est une analyse de risque. Question intéressante avant de se quitter, c'est justement quand on quitte le patient, quelle recommandation spécifique peut-on lui donner suite justement à un soin dentaire dans lequel on a généré les aérosols? Bah, l'avantage, c'est que vous avez généré des aérosols à partir des propres germes du patient. Donc, si c'est ça la question, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude. Je pense qu'il ne faudrait pas insinuer au patient qui pourrait avoir été contaminé. Vous avez mis tout en œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination interpatient. Donc, donner des recommandations au patient, ce serait sous-entendre qu'il pourrait y avoir un problème suite à son passage. Et en réalité, il y a beaucoup moins de chances pour lui, si les recommandations sont suivies, d'avoir un problème, d'être venu dans un cabinet dentaire, que d'être allé chercher son pain à la boulangerie. Hein. Tout à fait. Je crois aussi. Les mesures qu'on met en œuvre sont vraiment faites pour… Ça va devenir l'endroit le plus sûr sur Terre, nos cabinets. Hein. Ok. Non, mais clairement, le niveau de… Il suffit de voir en Allemagne où ils ont continué à travailler parce qu'eux, ils avaient des dispositifs de protection. Il n'y a pas eu de problème du tout. Il n'y a même quasiment pas de cas de contamination des praticiens. Et on espère que ça va durer. Bon, sur ce, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. On a pas mal d'autres questions, mais qui sont un petit peu peut-être redondantes avec celles qui ont déjà été posées. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications et puis pour cet esprit pour avoir été si concis. Nicolas, Florian et Jean-Michel, je vous remercie encore. Est-ce qu'il y a des documents qu'on peut conseiller encore à lire? Bon, évidemment, celui qui a été transmis par le Conseil de l'Ordre hier soir. J'ai vu qu'il y avait une très très belle infographie transmise par l'ADF également hier. Est-ce qu'il y a d'autres documents que vous pouvez conseiller? Les documents du travail. Voilà, le document du ministère du Travail. Vous avez le document de la Fédération aussi que vous pouvez aussi utiliser. La Fédération française d'ortho aussi. Il y a un dessin animé de la Fédération sur la Fédération française d'ortho. Il y a un dessin animé sur la venue au cabinet qui est plutôt pas mal faite, hein, qui est visée pour les… Enfin, c'est même pas mal fait, c'est très bien fait. Et c'est plutôt pour les patients en ortho, mais ça marche aussi pour les patients en omnipratique. Donc, ce petit dessin animé est vraiment très, très bien fait, l'infographie. Merci. Et on vous a vu, on vous a mis aussi la petite affiche qui en découle, que vous pouvez mettre aussi au cabinet. On a aussi un rôle d'éducation et de prévention. Donc, c'est vrai d'inciter les concitoyens à porter des masques et à faire attention. Ça fait aussi partie de nos missions, je pense. D'accord. Bon, je pense effectivement que cette phase d'information du patient avant son rendez-vous, pour lui expliquer tout ce qu'on attend de lui, et quel va être son rôle avant d'arriver au rendez-vous et comment ça va se passer chez le dentiste en cette période, c'est vraiment très important. Que ce soit par un mail, par un SMS ou par une vidéo envoyée, c'est une phase importante. On fait en sorte que le patient soit acteur de notre dispositif et de notre processus. Et en plus, ça le rassure. Il voit qu'il arrive, il est pris en main, on est des professionnels de santé, on est des soignants, on prend la mesure du risque, on met en face des process qui sont adaptés. Ça nous rassure, nous, ça rassure nos équipes, ça rassure nos assistantes, nos secrétaires, ça rassure aussi nos patients. Très bien.
Et on a un rôle pédagogique dans la population générale qui est une évidence. On a appris pendant des années aux gens à se laver les dents. Maintenant, on va leur apprendre à se laver les mains. Voilà, c'est ça. Si ça peut être utile aussi, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci encore. Merci pour votre temps. S'il y a d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser sur le Facebook ou sur YouTube. Et puis, on pourra toujours les relayer à nos trois praticiens qui ont dispensé cette conférence. Merci encore. Et puis, à très bientôt. Merci. Portez-vous à toi bien. Aussi, bonne reprise ouais. dans la sérénité. Et voilà, sans précipitation, comme Florian, tu le soulignais, ça c'est très important d'être bien préparé. Merci et puis à très bientôt. Au revoir à tous pour la prochaine fois. Au revoir.